Marseille, 14 avril 2020. Hervé Castanet lit en version audio et seulement audio son livre consacré à Jacques Lacan. Ce livre est constitué d'une introduction, d'une conclusion et de 13 chapitres. Cette lecture est une lecture complète de l'ouvrage. Dédicace à Judith et Jacques-Alain Miller qui font vivre l'enseignement de Jacques Lacan. Introduction. Pourquoi Lacan? Jacques Lacan est né en 1901 et est mort en 1981. Tout fou Lacan, fou écrit FOU. Titre en première page, le journal Libération. Il demeure toute sa vie à Paris et exerce la psychanalyse dans son cabinet au 5 rue de Lille, dans le 7e arrondissement, de 1940 à 1981. Issu d'une famille de la moyenne bourgeoisie, il fait ses études au collège Stanislas, puis à la faculté de médecine. Il passe sa thèse en 1932, consacré au cas Aimée, une psychotique qui a tenté d'agresser une actrice célèbre, ce travail est immédiatement reconnu par ses pairs. Notre thèse est une thèse de doctrine, dira Lacan. Elle aborde l'articulation dans ses rapports avec la personnalité, du délire et du passage à l'acte paranoïaque. Il devient psychiatre. Lorsqu'il précise en 1966 ses antécédents, il reconnaît en Gaétan Gatien de Clérambault, 1872-1934, son seul maître en psychiatrie. Auteur de remarquables articles sur l'érotomanie, Clérambault dirigeait d'une main de fer l'infirmerie spéciale de la préfecture de police de Paris. Lacan travailla dans son service durant l'année 1928-1929, sans pour autant adhérer à ses choix doctrinaux. Juste après la rédaction de sa thèse, il entame une psychanalyse avec Rudolf Löwenstein, 1898-1976, qui émigrera ensuite aux USA, où il développa avec Hartmann et Crist une théorie adaptative du moi, l'ego-psychologie. En 1934, Lacan est admis à la Société psychanalytique de Paris, SPP. Membre titulaire en 1938, il en devient le président en 1949. Une crise institutionnelle menée par des élèves psychanalystes affrontés à l'inertie de la formation et à un autoritarisme incarné par Sacha Nacht, 1900-1977, qu'il supporte mal, aboutit à la création en 1953 de la Société française de psychanalyse, SFP, par Daniel Lagache, 1903-1972, professeur à la Sorbonne. Lacan en fait partie. Suivent pendant 10 ans des négociations et des tractations pour obtenir que les démissionnaires de la SPP soit néanmoins reconnu par l'Association psychanalytique internationale, IPA, dont les orientations s'éloignaient chaque jour davantage de la découverte freudienne. En 1964, la décision tombe. Lacan est excommunié, selon son mot, par l'instance internationale qui n'accepte de reconnaître la SFP que si cette dernière lui retire son titre de didacticien et ses charges d'enseignement. Pourquoi? L'IPA reproche à Lacan de ne pas respecter la durée fixe de 55 minutes des séances. C'est donc la séance courte qui fait pomme de discorde. Le 21 juin 1964, Lacan fonde l'École française de psychanalyse, qui s'appellera peu de temps après École freudienne de Paris, EFP. Je fonde, c'est Lacan qui parle,
aussi seul que je l'ai toujours été dans ma relation à la cause psychanalytique, l'École française de psychanalyse, dont j'assurerai personnellement la direction. SPP et SFP, cette seconde étant moins rigide que la première, était fondée sur un automaton institutionnel accompagné de sa bureaucratie de groupe. La fondation de l'EFP, elle, est un acte comme conclusion et conséquence d'une relation à la cause analytique. Au non-acte du groupe s'oppose l'acte de Lacan. Il n'y a d'acte que dans une logique du un par un. Il en définit l'orientation. Ce titre, dans mon intention, représente l'organisme où doit s'accomplir un travail qui, dans le champ que Freud a ouvert, restaure le socle tranchant de la vérité, qui ramène la praxis originale qu'il a instituée sous le nom de psychanalyse dans le devoir qui lui revient en notre monde, qui, par une critique assidue, y dénonce les déviations et les compromissions qui amortissent son progrès en dégradant son emploi. En janvier 1980, Lacan dissout son école. « Il y a un problème de l'école, dit-il. Ce n'est pas une énigme. Aussi, je m'y oriente point trop tôt. Ce problème se démontre-t-il d'avoir une solution. C'est la dissolution. » En janvier 1981, l'école de la cause freudienne est créée. Lacan en est le président. L'ECF a vocation à produire la contre-expérience de l'EFP et s'inscrit dans la définition qu'il donne d'une école pour la psychanalyse. Si je persévère, dit-il, c'est que l'expérience faite appelle contre-expérience qui compense. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. Et il y a du monde dont je n'ai pas besoin. Pourquoi dissoudre? Parce que, constate Lacan, l'EFP est devenu, je reprends ces mots, institution, effet de groupe consolidé aux dépens de l'effet de discours attendu de l'expérience quand elle est freudienne. La dissolution, de fait, répond à l'acte de fondation. C'est la psychanalyse qui risque de passer à la trappe lorsque la bureaucratie prend le dessus. Très nombreux sont les livres qui rapportent des anecdotes sur Lacan. Sa façon de parler, de s'habiller, de se comporter à table, dans un musée ou en réunion amicale, ses interventions dans les séances. Beaucoup réduisent Lacan à un dandy au style hermétique, aux actions déroutantes. Certains tentent de contester ses thèses en les rapportant à celles de Freud. L'inconscient n'est pas structuré comme un langage, mais effet d'image préverbale, etc. D'autres réduisent son enseignement à quelques formules magiques souvent répétées. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas, etc. Parce que devenu célèbre, ce traitement de sa personne et de son enseignement ne surprend pas. Il fut présent de son vivant. Depuis sa mort, il s'est poursuivi toujours avec la même vivacité et non sans haine parfois. Ce n'est à notre avis qu'une modalité de ne pas lire Lacan, de ne pas étudier ses avancées, les concepts qu'il introduit, les formulations qu'il offre à ses lecteurs. Ce livre sur Lacan a une visée modeste, impliquée par le nombre de pages imposées. Modeste mais précise. En quoi et comment Lacan lit-il Freud? En quoi et comment Lacan, qui se dira toujours freudien, refonde-t-il la psychanalyse freudienne? En quoi et comment Lacan réinvente-t-il la psychanalyse en donnant une issue aux impasses de la doctrine de Freud? Lacan n'est pas un nom de plus dans l'histoire de la psychanalyse, un maître parmi d'autres. Lacan a permis que la psychanalyse ne disparaisse pas, qu'elle soit toujours la peste. Mot de Freud, on le sait, à Jung lors de son voyage aux USA en 1909. Au génie de Freud, répond le génie de Lacan.
Prenons un exemple qui fit rupture. Lacan, à un moment de sa pratique analytique, dès le début des années 1960, ne respecte plus la durée fixée à l'avance des séances, les 55 minutes réglementaires. L'IPA, on l'a dit précédemment, a très mal pris ce choix. Les séances ont, pour Lacan, des durées variables. Elles sont écourtées, réduites, brisées. Une scansion produite par l'analyste peut l'interrompre. C'est l'acte de l'analyste qui est aux commandes et non l'horloge qui mesure la durée objective des minutes et du temps qui passe. Quel statut donner à cette modification du cadre analytique? Est-ce une facilité? Une décision privée? Une contestation des standards? Non. Ce changement dans la technique analytique, comme disait Freud, a son fondement en doctrine et tient à la définition du concept même d'inconscient. Précisons. Lacan, en 1960, dans son article « Remarques sur le rapport de Daniel Lagage », distingue deux termes, la durée et le temps. Citons. Une mouche du coche ici s'évoque, a objecté qu'il ne saurait s'agir de l'inconscient, puisque, comme chacun sait, il ignore le temps. Qu'il retourne à la classe de grammaire pour distinguer le temps de la chronologie, les formes d'aspect qui envisagent ce qui devient le sujet, de celles qui situent l'énoncé sur la ligne des événements. Elle ne confondra pas alors le sujet de l'accompli avec la présence du passé. Repérer les effets du temps comme scansion et produire ainsi dans un effet d'après-coup que ce qui était avant trouve sa place dans ce qui aura été, ainsi le futur antérieur du sujet de l'accompli, est l'axe d'avancée dans la cure. Cette conception du temps comme scansion implique de produire une nouvelle définition de l'inconscient, désormais dégagé de toute substantification ontologique. Ce pas, Lacan l'accomplit 4 ans après ses remarques sur la distinction entre la durée et le temps. En 1964, dans son séminaire 11, tenu à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, Lacan définira l'inconscient comme discontinuité, repéré inauguralement chez Freud comme discontinuité entre perception et conscience. Ce qui apparaît dans la fente qu'est l'inconscient semble être destiné à se dérober, à disparaître. L'inconscient devient l'évasive, c'est le mot de Lacan, structure temporelle, soit un temps logique qui s'oppose à un temps substance des choses. Lacan nomme cette logique comme étant celle du hot, O-D-D, mot anglais, que l'on traduit par l'impair. Cette Einstellung, où se conjugue, voire se décline en une structure temporelle, pulsative, foncièrement discontinue, les positions subjectives de l'être, est distorsion essentielle. La séance courte se situe explicitement à ce point de la définition de l'inconscient. Ne pas se priver de la durée variable des séances ne prend valeur que rapportée à ces deux thèses freudiennes, construites, mieux reconstruites par Lacan. L'hétérotopie du temps et de la durée, l'hétérotopie de l'inconscient et de l'ontologie. Si l'inconscient est une structure qui se construit dans un battement de fente, dans l'apparition évanouissante entre deux points, dans le moment élusif ou bien dans une fonction pulsative, alors la durée de la séance ne peut plus être fixe. L'inconscient a la structure d'une béance, et c'est à ce titre que l'inconscient est temps, T-E-M-P-S. La séance courte se déduit de cette définition, ici rappelée de façon sommaire, de l'inconscient. Elle est une conséquence clinique tirée d'une position de doctrine. Il ne faut pas le cacher.
Lacan est un auteur difficile qui mobilise des champs entiers du savoir universel. Il ne peut se lire et se comprendre par une lecture rapide. Son œuvre écrite est disponible dans ses écrits, parus en 1966, et dans ses autres écrits parus en 2001. Son enseignement oral, son célèbre séminaire, qu'il tenait année après année chaque semaine, est constitué de 25 livres. 15 ont été publiés, le texte étant établi par Jacques-Alain Miller selon la volonté de Lacan. Pour ce livre sur Lacan, une unique balise. Lire Lacan, revenir à ses formulations, à ses schémas, à ses termes, à ses reprises. Pour ce faire, un outil est, selon nous, indispensable. Depuis plus de 30 ans, Jacques-Alain Miller, né en 1944, assurait un cours dans le cadre du département de psychanalyse de l'Université Paris 8, fondé par Lacan et qu'il dirige sous le titre « L'orientation lacanienne ». Ce cours évite l'errance dans l'enseignement de Lacan et permet de saisir comment Lacan pense contre Lacan. Voici dans les 14 chapitres qui suivent quelques occurrences de cet enjeu, qui est celui de la possibilité même de la psychanalyse. Chapitre 1. Le miroir. En août 1936, le jeune Jacques Lacan présente au 14e Congrès psychanalytique international une communication sur le stade du miroir. En juillet 1949, il revient sur ce thème lors du 16e Congrès. Le stade du miroir signe l'entrée de Lacan dans la communauté psychanalytique. Que 13 ans après sa première intervention, il choisisse à nouveau d'y faire référence, n'est pas un hasard. Lacan tient là un concept clé pour rassembler une multitude de faits recueillis par la psychanalyse qui vont du corps morcelé à l'agressivité, en passant par les passions humaines, sans oublier l'aliénation que la folie, et notamment la paranoïa dénude. Le stade du miroir ordonne un comportement décrit par les psychologues en dégageant le mécanisme psychique et libidinal à l'œuvre. Dès l'âge de 6 mois, l'enfant reconnaît son image dans le miroir et une mimique illuminative, selon l'expression de Lacan, signe cette reconnaissance. L'enfant reproduit cette scène, preuve qu'elle garde pour lui une forte valeur ludique jusque vers 18 mois. Lacan lui donne une valeur d'événement. Écoutons-le. Sa répétition a souvent arrêté notre méditation devant le spectacle saisissant d'un nourrisson devant le miroir qui n'a pas encore la maîtrise de la marche, voire de la station debout, mais qui, tout embrassé qu'il est par quelque soutien humain ou artificiel, surmonte en un affairement jubilatoire les entraves de cet appui pour suspendre son attitude en une position plus ou moins penchée et ramener, pour la fixer, un aspect instantané de l'image. Quel est le dynamisme libidinal en jeu dans cette description? Lacan y lit une identification, à savoir, comme il explique, la transformation produite chez le sujet quand il assume une image. Par cette identification, l'infant, celui qui n'a pas encore la parole, obtient une unité, une forme globale, alors qu'il fait l'épreuve, dans son corps, d'une incoordination motrice le situant dans une dépendance vitale. Le petit homme, comme l'on sait, est un prématuré. Cette image, c'est lui. La jubilation signe la réussite de cette gestalt, on dit en français une forme, unifiée, qui marque une autonomie. À l'impuissance éprouvée se substitue la maîtrise que l'image du corps propre lui restitue comme anticipée.
Lacan voit dans cette phase la construction du moi, ouvrant aux identifications secondaires qui émailleront la vie du sujet. Mais, point déterminant, le moi n'est pas le sujet. Le moi et le sujet ne peuvent se superposer ni fusionner. Il y a échec. Le sujet trouve sa fonction dans le langage et la parole qui le particularise. On abordera ces points dans les chapitres postérieurs, l'autre grand A et le sujet. Le moi s'objectalise dans le procès d'identification. Il est une fiction, dit Lacan, qui ne rejoindra qu'asymptotiquement le devenir du sujet, quel que soit le succès des synthèses dialectiques par quoi il doit résoudre, en tant que je, J-E, sa discordance avec sa propre réalité. Le moi, construit au miroir, porte cette aliénation. Lacan précise, cette gestalt est grosse encore des correspondances qui unissent le je, J-E, à la statue où l'homme se projette, comme au fantôme qui le domine, à l'automate enfin, ou dans un rapport ambigu, tend à s'achever le monde de sa fabrication. À s'identifier à son image, l'infant se fige en cette forme prise dans le jeu duel qui se répandra sur les alter-égaux rencontrés. Le transitivisme trouve dans cette structure aliénante son ressort. L'enfant qui bat dit avoir été battu. L'enfant qui voit l'autre enfant tomber pleure. La catégorie du mensonge est absolument vaine pour rendre compte de ces faits. L'enfant ne ment pas. Au contraire, il livre cette vérité imaginaire où l'autre, le semblable, c'est lui. Tel est le drame, dit Lacan, de la jalousie primordiale. Au miroir, il y a inversion et réciprocité. Le passage de l'un à l'autre semblable est incessant. Le stade du miroir ne se réduit pas à cette seule description des faits chez l'enfant. Il n'est pas un stade développemental comme la psychologie aime les décrire. Il isole l'instance du moi où le narcissisme trouve sa place et sa puissance de contrainte. Le sujet parlant ne cessera d'emporter les traces et les effets. L'aliénation imaginaire ne disparaîtra pas et se retrouvera toutes les fois où l'énergie vient fixer la libido sur une image. Lacan donne cette précision. Le stade du miroir est un drame dont la poussée interne se précipite de l'insuffisance à l'anticipation et qui, pour le sujet, pris au leurre de l'identification spatiale, machine les fantasmes qui se succèdent d'une image morcelée du corps à une forme orthopédique de sa totalité et à l'armature enfin assumée d'une identité aliénante qui va marquer de sa structure rigide tout son développement mental. Ainsi peut se comprendre ce que les rêves montrent aux dormeurs lorsqu'ils virent au cauchemar. Scènes de mutilation, démembrement, coupures et autres désintégrations de l'unité corporelle. Ces mêmes bras disjecta signent ce moment où l'image du corps ne tient plus, laissant apparaître ce qu'elle avait antérieurement unifié, mais de façon précaire et instable. Le symptôme hystérique l'actualise avec sa cartographie anatomique imaginaire qui suit les trajets sémantiques plus que les connexions neurologiques. L'obsessionnel, lui non plus, n'y échappe pas. Lorsque son inconscient livre le château, véritable camp retranché, auquel il s'identifie avant que les ennemis ne le mettent à bas. Le moi, constitué au miroir, se découvre pour ce qu'il est. Par lui, le sujet obtient une valence d'être, un lestage,
qui lui viennent d'une image qui n'est pas lui et dont il veut croire qu'elle est lui pleinement. C'est la captation imaginaire. La temporalité du miroir est un présent éternisé, dont toute sortie est récusée. La statique spatiale se substitue à la scansion temporelle. Les jeux du miroir sont infinis, toujours métonymiques, sans issue. La mort elle-même n'est pas très loin, comme l'illustre le mythe de Narcisse. La passion de l'image annule le sujet jusqu'à lui faire perdre sa vie. Le moi est porteur, nécessairement porteur, de cette mort. Un exemple de Lacan tiré de son article de 1948, L'agressivité en psychanalyse, déplie cette logique mortifère. Quel est ce moment où surgit l'agressivité, que le sujet l'adresse à un autre ou la retourne sur lui-même, comme dans le suicide? Voici la réponse de Lacan. L'agressivité est la tendance corrélative d'un mode d'identification que nous appelons narcissique et qui détermine la structure formelle du moi de l'homme et du registre d'entités caractéristiques de son monde. Autrement dit, l'agressivité résulte de cette tension où l'autre dépossède le sujet de sa vie au profit de cette identification qui le fixe et le mortifie. Un toi ou bien moi surgit. Si c'est toi, alors je ne suis pas. Si c'est moi, alors tu n'es pas. Et je dois te détruire. La conclusion de Lacan tombe, c'est pourquoi jamais le moi de l'homme n'est réductible à son identité vécue. Et dans les disruptions dépressives des revers vécus de l'infériorité, engendre-t-il essentiellement les négations mortelles qui le figent dans son formalisme. Je ne suis rien de ce qui m'arrive, tu n'es rien de ce qui vaut. Contrairement aux positions des post-freudiens, ainsi l'égo-psychologie, le moi ne peut être l'instance sur laquelle la conduite d'une psychanalyse s'appuie. Tenter de le faire ignore la méconnaissance et le « je n'en veux rien savoir » qui la sous-tendent. Dès la fin des années 40, Lacan refuse fermement de faire du moi parce que illusoire, une boussole pour la clinique. Le moi est même ce qui fait obstacle à une cure et à son seul médium, la parole qui s'y déploie. En 1955, il écrit « Il n'y a jamais un sujet sans moi ». Mais c'est bien ce qu'il faut viser à obtenir toujours du sujet en analyse. Chapitre 2. L'autre avec un grand A. Si le moi est un objet imaginaire qui ne peut servir d'appui pour la conduite de la cure, quelle boussole trouver pour que la psychanalyse soit encore vivante ou même seulement possible? Cette question est celle de Lacan dès le début des années 1950 et elle conditionne son retour à Freud. Le concept d'autre, à lire grand autre, répond à cet enjeu clinique. Pour Lacan, l'orientation des post-freudiens en promouvant une visée adaptative du moi à la réalité s'est construite sur l'oubli de la découverte de Freud. Retournant au texte du maître viennois qu'il lit en allemand, qui découvre-t-il ? Dans son long article « Fonctions et champs de la parole et du langage en psychanalyse » daté de 1953, il écrit « Qu'elle se veuille agent de guérison, de formation ou de sondage, la psychanalyse n'a qu'un médium, la parole du patient. »
Voilà ce que les post-freudiens ont laissé de côté. Mais une question advient. Qu'est-ce qu'une parole ? Lisons Lacan. Il n'est pas de parole sans réponse, même si elle ne rencontre que le silence, pourvu qu'elle ait un auditeur et que c'est là le cœur de sa fonction, dans l'analyse. Si le psychanalyste l'oublie dans sa pratique, l'impasse aussitôt surgit. Lacan y insiste, mais si le psychanalyste ignore qu'il en va ainsi de la fonction de la parole, il n'en subira que plus fortement l'appel, et si c'est le vide qui d'abord s'y fait entendre, c'est en lui-même qu'il l'éprouvera, et c'est au-delà de la parole qu'il cherchera une réalité qui comble ce vide. La théorie du moi sert justement à combler ce vide, méconnaissant ce qu'est l'adresse d'une parole. Lacan ira même jusqu'à écrire en 1955 dans son séminaire « Les psychoses » « Authentifier ainsi tout ce qui, dans le sujet, est de l'ordre de l'imaginaire, c'est à proprement parler, faire de l'analyse l'antichambre de la folie. » Lacan distingue deux termes, la parole vide et la parole pleine. La première, la parole vide, est celle du discours imaginaire où se déploient les ruses du narcissisme. Le sujet parle, mais le discours qu'il tient est celui de la méconnaissance. Il dit explicitement « Le sujet se fait objet dans la parade du miroir, à atteindre même en cette image sa plus parfaite ressemblance. Ce serait encore la jouissance de l'autre qui l'y ferait reconnaître. D'où la déviation, c'est son mot, autant pratique que théorique, des analystes qui fait à cette réponse vide par la théorie du moi. Renforçant le moi du patient, ils identifient cette aliénation où le sujet est dépossédé de sa vérité au profit de la statue qu'il s'est construite dans l'imaginaire. Lacan ajoute tout au contraire, l'art de l'analyste doit être de suspendre les certitudes du sujet jusqu'à ce que s'en consument les derniers mirages, et c'est dans le discours que doit se scander leur résolution. La seconde, la parole pleine, fait surgir elle le sujet dans ses effets de vérité. Lacan l'explique, soyons catégoriques, il ne s'agit pas dans l'anamnèse psychanalytique de réalité, mais de vérité, parce que c'est l'effet d'une parole pleine de réordonner les contingences du passé en leur donnant le sens des nécessités à venir, telles que les constitue le peu de liberté par où le sujet les fait présente. La parole pleine est interlocution avec l'autre qui est lui aussi sujet de la vérité. Citons Lacan, il s'agit en effet non pas de passage à la conscience, mais de passage à la parole, n'en déplaise à ceux qui s'obstinent à lui rester bouchés, et il faut que la parole soit entendue par quelqu'un là où elle ne pouvait même être lue par personne. Message dont le chiffre est perdu, ou le destinataire mort. Seule une telle orientation permet de sortir de la confusion le mot de Lacan qui régnait dans la psychanalyse des années 1950. Le coup de génie, nous mesurons l'emploi du terme de Lacan et de tirer de ce constat de l'efficience de la psychanalyse dans la seule parole pleine prise dans le discours symbolique, une définition de l'inconscient qui n'avait jamais été envisagée. Pour cela, il lit très attentivement les formations de l'inconscient dégagées par Freud, les rêves, lapsus, mots d'esprit, actes manqués, symptômes hystériques et obsessionnels, avec l'outil de la linguistique moderne créé par Ferdinand de Saussure, contemporaine de Freud, quoiqu'inconnu de lui,
année 1906-1911, et notamment le concept de signe. Ce dernier, pour Saussure, est une unité biface nouant le signifiant, image acoustique, et le signifié, représentation mentale ou concept. Lacan commente : un jour, je me suis aperçu qu'il était difficile de ne pas entrer dans la linguistique à partir du moment où l'inconscient était découvert. Cette précision, il la donne en 1972 devant le linguiste Jacobson. Lacan accorde au signifiant, là où Saussure disait image acoustique, une valeur primordiale et fait du signifié, là où Saussure disait représentation mentale ou concept, un effet des jeux, J-E-U-X, entre les signifiants. Il y a une suprématie du signifiant sur le signifié. Seule la psychanalyse est en mesure d'imposer à la pensée cette primauté en démontrant que le signifiant se passe de toute cogitation, écrit Lacan en 1956. En 1972, il nomme linguisterie son usage de la linguistique saussurienne, qu'il utilise pour tirer des conséquences de la subversion freudienne. C'est-à-dire que pour Lacan, tout ce qui est du langage ne relève pas de la linguistique. Le nouage du langage et de l'inconscient est l'enjeu spécifique de la linguisterie qu'utilise le psychanalyste. Que devient la définition de l'inconscient ? Citons des phrases célèbres de Lacan. L'inconscient est cette partie du discours concret en tant que transindividuel, qui fait défaut à la disposition du sujet pour rétablir la continuité de son discours conscient. L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré. Mais la vérité peut être retrouvée. Le plus souvent, déjà, elle est écrite ailleurs. Autrement dit, l'inconscient n'est pas un bric-à-brac fait d'éléments hétérogènes, mais un ordre dont les éléments discrets qui l'agencent sont justement les signifiants. Lacan en fait même une structure, cette structure que le langage suivant Saussure démontre, puisque le signifiant, en tant que tel, ne signifie rien. Saussure parlait alors de valeur. Le signifiant est pure différence que Lacan écrit grand S 1-grand S 2. La conséquence tombe. Tout phénomène, dit Lacan, qui participe du champ analytique, de ce à quoi nous avons affaire dans le symptôme et dans la névrose, et structuré comme un langage. Lacan, la précision a son importance, ne dit pas que l'inconscient est un langage, mais que ce qui le structure, les jeux, J-E-U-X, signifiants, relèvent comme le langage d'une structure. Le concept d'hôte, grand A, va servir à Lacan pour désigner ce lieu où se constitue le jeu J-E qui parle avec celui qui entend. Je dis cela à la suite de quelques remarques sur le fait qu'il y a toujours un autre grand A au-delà de tout dialogue concret, de tout jeu interpsychologique. La formule de Lacan de 1953, l'inconscient et le discours de l'autre petit A, peut désormais en 1955 s'écrire, enfin pourrait-on dire, l'inconscient et le discours de l'autre grand A, cet autre qui n'est jamais réductible au même, à l'alter ego, au semblable, parce qu'il est altérité radicale. Le schéma de l'intersubjectivité, daté de 1955, figure ainsi l'irruption de la parole pleine entre le sujet et l'autre grand A et son détour par les deux moi, petit A et petit A prime, et leurs relations imaginaires. Ce schéma permet même de construire
dit Lacan, une clinique différentielle, puisque la condition du sujet, grand S, névrose ou psychose, dépend de ce qui se déroule en l'autre, grand A. Ce concept d'autre, grand A, se retrouve tout au long de l'enseignement de Lacan, mais non sans changement. En effet, à partir des années 1970, l'autre grand A sera décrit comme logiquement inconsistant, et Lacan inventera le signe grand S de grand A barré pour l'écrire. Citons, par là j'ai ajouté une dimension à ce lieu du grand A en montrant que comme lieu il ne tient pas, qu'il y a là une faille, un trou, une perte. C'est-à-dire que si l'autre n'existe pas comme complet, comme plein, comme total, comme fini, s'il est barré, la problématique change. L'autre grand A n'est plus l'autre grand A préalable du signifiant. Et c'est l'autre, comme corps sexué et jouissant, qui surgit. Cette déconstruction progressive de l'autre que Lacan avait élaborée. Il n'y a pas d'autre grand A de l'autre grand A, martèle Lacan, se lisant page après page dans le séminaire, entraînera des conséquences qui l'obligeront à inventer de nouveaux concepts. L'objectita, la jouissance, le réel, l'existence, le saint homme, etc. Ces diverses inventions qui bouleverseront la clinique et sa théorie sont toujours à rapporter à cette déconstruction de l'autre comme garantie a priori. Mais cette déconstruction de l'autre présupposait que justement l'autre comme catégorie à distinguer du petit autre du semblable ait été constituée, élaborée. Chapitre 3. Le sujet. Le mot de sujet se retrouve à chaque page des textes de Lacan. Son usage constant lui donne une familiarité qui est trompeuse pour le lecteur. Le sujet, en effet, n'est pas la personne, ni l'individu, ni même le patient concret reçu dans le dispositif de la cure. Il n'est pas le moi, où se construit par identification une unité imaginaire où règnent illusion et méconnaissance. Le sujet n'a pas de poids, pas d'organisme, pas d'image, pas d'âge. Impossible de le saisir au creux de la main ou de s'approprier son reflet. Mais qu'est-il ? Il est un effet de la chaîne signifiante, grand S1-grand S2, où il est représenté. Lacan le dit, déterminé par le langage et la parole, cela veut dire que le sujet, in initio, commence au lieu de l'autre, grand A, en tant que là surgit le premier signifiant. Le sujet n'est donc pas premier. Il faut l'autre, grand A, préalable du langage, pour qu'il puisse advenir. Une conséquence, le sujet ne peut être cause de soi. La définition princeps de Lacan est la suivante, souvent répétée. Un signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Au sens strict, le sujet n'est pas présent dans la chaîne symbolique, mais représenté par un tenant lieu. Le signifiant, toujours différentiel par structure. À cette définition, Lacan donne le statut d'axiome, selon son mot, et l'illustre ainsi en 1964. Supposez que vous découvrez dans le désert une pierre couverte de hiéroglyphes. Vous ne doutez pas un instant qu'il y a eu un sujet derrière pour les inscrire. Mais croire que chaque signifiant s'adresse à vous, c'est une erreur. La preuve en est que vous pouvez n'y rien entendre. Par contre, vous les définissez comme signifiants
de ce que vous êtes sûr que chacun de ces signifiants se rapporte à chacun des autres. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le rapport du sujet au champ de l'autre grand A. Le sujet n'est pas définitivement chiffré dans la chaîne signifiante, au contraire. Il suit les trajets, voire les labyrinthes de ces mêmes jeux signifiants. Le sujet, c'est une image, est portée par le langage comme un bouchon dans les remous d'une rivière. Il est déterminé, voire surdéterminé, par le signifiant, puisque les chaînes langagières font circuit logique, même si chacun, à partir de son « moi », n'y voit qu'embrouillamini sans queue ni tête. Le signifiant, dans l'inconscient, en effet, et c'est pourquoi il y a un appel à la logique, n'est pas ouvert à tous les sens. Accorder cette priorité au signifiant sur le sujet, c'est, pour nous, tenir compte de l'expérience que Freud nous a ouverte, que le signifiant joue et gagne, si nous pouvons dire, avant que le sujet s'anavise, au point que dans le jeu du vice, du mot d'esprit, par exemple, il surprenne le sujet. Par son flash, ce qu'il éclaire, c'est la division du sujet d'avec lui-même, comme l'écrit Lacan en mars 1964 dans son article « Position de l'inconscient ». C'est en cela qu'il y a subversion. Le sujet n'est pas maître chez lui. Le sujet ne peut trouver dans le langage le signifiant qui, enfin, définitivement, lui livrerait son être sans discussion possible. Un « c'est ça » qui lui donnerait consistance définitive. Il manquera toujours de cette détermination ontologique qu'il peut rechercher et implorer de ses vœux secrets. Le sujet est « manque à être ». Ce que Lacan écrit « grand S », la lettre barrée, la barre indiquant son défaut d'être. Cette construction du sujet divisé, grand S barré, a une conséquence pour la clinique psychanalytique, comme le rappelle Lacan en 1958 dans son article d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. Et c'est ce sujet-là advenu qu'elle repère dans ses effets. Écoutons Lacan. Car c'est une vérité d'expérience pour l'analyse qu'il se pose pour le sujet la question de son existence, en tant que question articulée. Que suis-je là, concernant son sexe et sa contingence dans l'être, à savoir qu'il est homme ou femme d'une part. D'autre part, qu'il pourrait n'être pas. Or, ces interrogations posées par le sujet sont à saisir, précise Lacan, au titre d'éléments du discours particulier où cette question dans l'autre grand A s'articule. Une direction s'en déduit pour la cure, et pour le dire dans les mots de Lacan, car c'est parce que ces phénomènes s'ordonnent dans les figures de ce discours qu'ils ont fixité de symptômes, qu'ils sont lisibles, et se résolvent quand ils sont déchiffrés. Le sujet barré, c'est donc le sujet de la séance analytique. Et ce qui lui est couplé, le moi, le symptôme, le fantasme, l'objet, etc. Il est analysable parce que articulé au lieu de l'autre grand A. À être ainsi représenté par un signifiant, le sujet en est mortifié. Cette mortification est l'effet du langage lui-même. Son être de vivant est converti par le langage à advenir comme sujet. Lacan martèle le drame de celui qui habite le champ du langage et de la parole. Le sujet naît
en tant qu'au champ de l'autre grand A surgit le signifiant. Mais de ce fait même, cela, qui auparavant n'était rien sinon sujet à venir, se fige en signifiant. Le sujet, c'est ce surgissement qui, juste avant comme sujet, n'était rien, mais qui, à peine apparu, se fige en signifiant. Le mouvement est double. Le sujet surgit du battement entre deux signifiants et c'est son être de vivant qu'il perd. Et il se fige sous des signifiants qui le représentent sans jamais lui livrer son être. En 1964, dans son séminaire 11, Lacan ajoute « Le signifiant se produisant au champ de l'autre grand A fait surgir le sujet de sa signification, mais il ne fonctionne comme signifiant, qu'à réduire le sujet en insistant à n'être plus qu'un signifiant, à le pétrifier du même mouvement où il l'appelle à fonctionner, à parler comme sujet. » C'est pourquoi le sujet, ainsi défini, est divisé, refendu. Il disparaît, s'éclipse, et pour le dire, Lacan reprend un mot d'Ernst Jones, un élève de Freud. Ce mot, c'est l'aphanisis. Lacan commente, il n'y a pas de sujet sans quelque part aphanisis du sujet, et c'est dans cette aliénation, dans cette division fondamentale, que s'institue la dialectique du sujet. Il parlera également de fading. Autant de mots, aphanisis et fading, pour désigner ce point, ce moment, cette temporalité où le sujet, comme tel, disparaît et s'éclipse. Dans ce même séminaire 11, Lacan isole deux opérations essentielles pour définir le rapport du sujet à l'autre grand A. La première, c'est l'aliénation qui consiste dans ce « ou bien » en latin « vel » V-E-L, faisant apparaître le sujet d'un côté comme sens, produit par le signifiant, et de l'autre comme « aphanisis », soit « disparition ». Voici un exemple. La bourse ou la vie, comme cela se dit dans les films de brigands. Lacan ajoute « si je choisis la bourse, je perds les deux. Si je choisis la vie, j'ai la vie, sans la bourse, à savoir une vie écornée. » Autrement dit, quel que soit le choix du sujet, il résulte à ni l'un ni l'autre. Le choix, dit-il, n'y est donc pas de savoir si l'on entend garder une des parties, l'autre disparaissant en tout cas. De même, la célèbre expression « la liberté » ou « la vie ». Choisir la liberté, dans ce contexte, c'est perdre la vie, donc la liberté aussi. Choisir la vie, c'est la vie sans la liberté, une vie d'esclave ou de prisonnier. La seconde opération, après l'aliénation, est la séparation. Pour la faire saisir à ses lecteurs, Lacan fait surgir la figure de l'enfant qui, face au discours de l'autre grand A, notamment parental, s'interroge. « Il me dit ça. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais qu'est-ce qu'il me veut ?» Un manque est par le sujet rencontré dans l'autre grand A. Autrement dit, qu'en est-il du désir de l'autre grand A qui glisse, tel le furet entre les signifiants ? Lacan écrit « Le désir de l'autre grand A est appréhendé par le sujet dans ce qui ne colle pas, dans les manques du discours. » Une dialectique peut alors s'enclencher, le sujet enfant pour questionner l'objet inconnu du désir parental peut jouer de sa propre perte. Veut-il me perdre ? C'est ainsi qu'il peut se le formuler à lui-même. Le fantasme de sa mort, de sa disparition, est le premier objet que le sujet a à mettre en jeu dans cette dialectique. Comme conclut Lacan,
Un manque recouvre l'autre. Un manque recouvre un autre manque. Posez la catégorie conceptuelle et clinique du sujet, ouvre à la dialectique intersubjective avec cet autre grand A, soit à la dialectique des objets du désir, comme l'écrit Lacan. Parce que né au champ de l'autre grand A, le sujet n'est ni seul, ni autonome, à la différence du moi. Chapitre 4, le nom du père. Il faut écrire nom avec un N majuscule et père avec un P majuscule. Le nom du père ne désigne pas le patronyme de M. X ou Y lorsqu'il a des enfants, mais le père symbolique. Lacan, en 1958, écrit « C'est bien ce qui démontre que l'attribution de la procréation au père ne peut être l'effet que d'un pur signifiant, d'une reconnaissance non pas du père réel, mais de ce que la religion nous a appris à invoquer comme le nom du père. » Le père symbolique est le père mort, accédant au statut de signifiant. Lacan le dit avec des phrases souvent répétées. Nul besoin d'un signifiant, bien sûr, pour être père, pas plus que pour être mort. Mais sans signifiant, personne, de l'un ni de l'autre de ces états d'être, ne saura jamais rien. Dès 1953, dans son rapport de Rome, Lacan écrivait « C'est dans le nom du père qu'il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique, qui, depuis l'orée des temps historiques, identifie sa personne à la figure de la loi. » Dans son séminaire « Les psychoses », en 1954-1955, il donnera à ce concept toute sa puissance, puisqu'il en fait ce par quoi l'ordre symbolique se maintient debout. Il est son garant. Ce nom du père, Lacan dit le tenir de Freud et de la fonction qu'il lui attribue dans la vie psychique au moment de la phase phallique et du complexe de castration isolé par le maître viennois. Citons, la nécessité de sa réflexion, celle de Freud, l'a mené à lier l'apparition du signifiant du père en tant qu'auteur de la loi à la mort, voire au meurtre du père. Le père symbolique, en tant qu'il signifie cette loi, est bien le père mort. Bref, le nom du père est, Lacan à nouveau, le signifiant qui, dans l'autre grand A, en tant que lieu du signifiant, est le signifiant de l'autre grand A, en tant que lieu de la loi. Une des preuves, preuve clinique, démontrant cette fonction du père et la psychose, la folie. Au-delà de ces manifestations où se répartissent les catégories psychiatriques connues, schizophrénie, paranoïa, manie, mélancolie, etc., la psychose résulte d'une opération psychique que Lacan nomme « forclusion », traduisant le mot freudien de « Ververfung » à propos du cas de l'homme au loup, et qui porte justement sur le nom du père. Citons. C'est dans un accident, à savoir la forclusion du nom du père à la place de l'autre grand A, que nous désignons le défaut qui donne à la psychose sa condition essentielle, avec la structure qui la sépare de la névrose. L'ordre symbolique s'écroule, l'insensé y surgit. Et c'est justement ainsi que souvent la psychose se présente aux cliniciens. Voici un exemple tiré de la clinique des psychoses. Quid de l'hallucination? Elle désigne ce moment où la réalité se met à parler toute seule. Pour l'expliquer,
Il faut partir de la thèse de Lacan, dans laquelle il énonce le sujet psychotique ignore la langue qu'il parle de par l'opération de la forclusion, ce qui est refusé dans le symbolique, et donc ne s'y inscrit pas, ne laisse pas pour autant tranquille le sujet. Il fait retour dans le réel, la réalité Iketnung. Autrement dit, toute assomption de la castration par un jeu, J.E., est devenue impossible. Le forclos n'est plus articulé dans la réalité psychique. Dans l'hallucination auditive, le sujet entend des voix ou des bruits, des sons. Est-ce que la réalité au dehors n'est que le décor construit par ce qui est sorti du dedans, par projection? La réponse est négative. Ainsi, cette jeune paranoïaque, vue lors d'une présentation de malade par Lacan, et qui livre le mot qu'elle a entendu de la bouche de l'amant de sa voisine dont elle se croit persécutée. Ce mot, c'est « truie ». Doit-on appliquer à cette hallucination la thèse sur la communication intersubjective où le sujet reçoit son propre message de l'autre, grand A, sous une forme inversée? Schéma dont nous avons parlé dans les chapitres précédents. Et ce, d'autant plus que cette patiente, lors de la rencontre avec le malotru, lui a dit, phrase incongrue, « Je viens de chez le charcutier. » Voilà, nous dit Lacan, l'erreur à ne pas commettre. La psychose n'est pas la névrose ni la perversion, et dans la première, le sujet ne reçoit pas de l'autre grand A son propre message. Parce que truie est une hallucination, c'est la réalité concrète qui parle. Ce mot fait retour dans le réel, il résonne. C'est sa propre parole qui, réemployons le mot, résonne dans cet autre, ce semblable. Le monsieur rencontré qui est elle-même devient son reflet dans le miroir. L'autre, petit A, se réduit donc à une marionnette imaginaire et l'autre, grand A, est court-circuité. Cette hallucination truie ne surgit pas au hasard. Lacan précise cette autre petite A qui elle parle, elle lui dit d'elle-même « Moi, la truie, je viens de chez le charcutier, je suis déjà disjointe, corps morcelé, main bras disjecta, délirante, et mon monde s'en va en morceaux comme moi-même. » C'est la structure de l'allusion. Une autre voie pour penser l'hallucination est la distinction, chère à la philosophie, la distinction donc du percipiens et du perceptum. Lacan récuse toutes les théories qui, à partir de ce binôme, prétendent penser la réalité. L'hallucination est un perceptum sans objet, lit-on. La tradition phénoménologique prétend demander au percipiens, c'est-à-dire le percevant, raison de son perceptum, le perçu. Le sujet de la perception est convoqué pour expliquer l'importance de cette perception qu'il repère, dont il fait l'épreuve. Il y a à pratiquer ici une espèce d'évidence empirique. Le percipiens se tiendrait au niveau de la réalité concrète. Il se trouve impliqué dans le perceptum et il saisit la réalité à partir des sens, de l'appareillage des sens, soit le sensorium. La rencontre de ce percipiens ainsi conçu et de la réalité constitue le perceptum. Lacan prend le contre-pied de cette thèse, qui a l'apparence de la simplicité et de l'évidence. Le perceptum a une structure qui lui est propre. Il est structuré, dit-il, par le langage.
Il s'agit dans l'hallucination de demander raison au percepteur lui-même et d'accorder une dimension de vérité au sujet qui, dans son épreuve, le décrit. Que le perçu soit ordonné par le signifiant se vérifie, par exemple, dans ces moments subjectifs d'entrée dans la schizophrénie, où le sujet témoigne du monde qui se désinvestit au point où son corps vivant lui devient énigme et son sentiment de vie vire à la perplexité. Accorder prix au témoignage de l'halluciné, c'est affirmer la présence d'un sujet relatif à ce perceptum. Il y a une primarité logique du perçu, qui n'est rien d'autre que la primarité du signifiant, d'où procède le sujet. Il y a, rappelons-le, d'abord l'autre grand A, puis, dans second, le sujet. Dans une telle optique, le clinicien ne met plus en cause le perceptum, il lui reconnaît une objectivité tissée dans le témoignage du psychotique. Poser la primarité du perçu structuré par le signifiant implique que le sujet percevant n'est plus une unité autonome et stable. Du reste, l'idée d'un sujet invariable est un préjugé aux implications cliniques fausses. Le sujet percevant se trouve subverti par les effets signifiants de la structure du percepteur. L'hallucination n'est plus un mirage, une illusion, une fausse impression, une fausse idée qui adviendrait au corps. Le sujet n'est plus l'instance qui réalise, s'il est normal ou pas, s'il est fou, une synthèse de la perception. Il est devenu sujet de l'inconscient, non superposable à lui-même, divisé par la parole énoncée, ou qui lui vient, qui lui advient même comme hallucination. En 1963, Lacan débute son séminaire sous le titre « Les noms », c'est un pluriel, « Les noms du père ». Il n'en prononcera que la première séance. En effet, exclu de l'Association psychanalytique internationale, il ne le poursuivra pas. Il le reprend en 1973 en jouant sur les mots « les noms dupes R », ce qui s'écrit « L-E-S »,« N-O-N-D-U-P-E-S »,« R » du verbe « errer »,« E-2-R-E-N-T », les noms dupes R. Mais le concept n'a désormais plus la même place dans sa doctrine. Lacan construit l'autre comme trou. Il n'y a pas d'autre grand A de l'autre grand A. La conséquence est que le père, comme instance du symbolique inscrivant la loi dans l'ordre signifiant, perd donc cette place de redoubler l'autre grand A en le garantissant. C'est moins l'autre grand A garanti par la loi que l'autre grand A troué, l'autre grand A qui n'existe pas. Et le père lui-même est pluralisé. Le nom du père, comme dit Lacan dans son séminaire RSI en avril 1975, il peut y en avoir un nombre indéfini. La logique du nœud borroméen, dont nous parlerons dans un chapitre suivant, fait du père le quatrième rond qui fait tenir les ronds du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Le père, à ce moment de son enseignement, devient même l'équivalent de la nomination. Le père est celui qui nomme. Et c'est un pouvoir de nomination qui est donc à isoler. Ce changement de définition va de pair avec la fin de l'autre grand A comme préalable du signifiant. Une nouvelle thèse a émergé dans le séminaire encore. Celle d'un « il y a ». Il y a, mais quoi? La réponse de Lacan est « la jouissance ». Nous reviendrons sur cette conséquence dans un des chapitres suivants, « le corps ». Chapitre 5.
le phallus. La découverte de Freud que son article de 1923, L'organisation génitale infantile, systématise et que l'inconscient ignore la différence des sexes et que, quant à la jouissance, rien n'y répond, sinon le phallus. Freud notait « Pour les deux sexes, un seul organe génital, l'organe mâle, joue un rôle. Il n'existe donc pas un primat génital, mais un primat du phallus. Dans tout cela, entendre les théories sexuelles infantiles, l'organe génital féminin semble n'être jamais découvert. » Ce que Lacan reprend explicitement en 1972, lorsqu'il affirme « Le sexe corporel de la femme ne dit rien à l'homme. » C'est le phallocentrisme de l'inconscient. Dans son séminaire 3, Les psychoses, en 1958, Lacan fait du phallus un objet imaginaire. C'est le petit phi, pour reprendre la lettre grecque, pris dans la dialectique entre la mère et l'enfant. Dans les séminaires qui suivent, séminaires 4 à 8, Lacan construira le phallus autrement, en faisant de lui un signifiant. Il sera le signifiant de l'amour et du désir. À ce titre, le concept de phallus donne la raison de l'interdiction portée sur la jouissance comme accession au monde du souverain bien que la mère de l'enfant peut, pour lui, présentifier et que la loi de l'inceste récuse. En 1958, dans la signification du phallus, Lacan écrit « Le phallus est le signifiant privilégié de cette marque où la part du logos se conjoint à l'avènement du désir. Le sujet ne désigne pas son être, ou plus exactement ne le désigne qu'à barrer tout ce qu'il signifie. Le phallus inscrit le sacrifice, le mot est de Lacan, qu'implique pour tout parlant quant au sexe, la marque de cette interdiction posée sur la jouissance comme condition du désir. Le signifiant du phallus, c'est le grand phi, en employant la majuscule de l'alphabet grec, écrit dans l'ode granta, cette place de la jouissance interdite, incompatible avec le signifiant. Ce sacrifice qu'il inscrit dans l'ode granta a pour nom, et c'est un terme connu, freudien, a pour nom castration. Voici un exemple clinique. Toujours en 1958, dans son article « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », Lacan décrit la levée d'un symptôme obsessionnel de paralysie psychique rendu possible par un changement de position quant au phallus. Le patient est connu par son nom d'analysant, l'homme autour de Bonneteau. Lacan écrit « La fonction de ce signifiant, le phallus perdu d'Osiris embaumé, comme tel dans la quête du désir, est bien, comme Freud l'a repéré, la clé de ce qu'il faut savoir pour terminer ses analyses. » Un des enjeux de cette longue cure, avec cet obsessionnel, fut de faire reconnaître à ce sujet la place qu'il a prise dans le jeu de destruction exercé par l'un de ses parents sur le désir de l'autre. Il voua sa vie à être le supporter de cette modalité du désir parental. La conséquence qui advient cliniquement est l'impuissance psychique. Lacan écrit, il devine l'impuissance où il est de désirer sans détruire l'autre, petit a, et par là son désir lui-même, en tant qu'il est désir de l'autre, grand a. C'est son désir lui-même qui est paralysé. C'est le phallus, parce qu'il nomme le manque à être de tout sujet, qui ordonne cette logique des pensées sexualisées à la place des actes, caractéristique de la névrose obsessionnelle. Mais en tant que tel, il est innommable.
La direction indiquée par Lacan est celle-ci. La position du sujet dans le tour de Bonneteau, rappelons ce jeu de cartes où le partenaire est grugé par le joueur, adressé à son analyste, devenu désormais le gogo à tromper, révèle une structure du désir. Le phallus y est impliqué. Quel est ce tour ? Ce patient tente de convaincre son analyste, Lacan, que désormais d'âge mûr, il est atteint d'une sorte de ménopause explicative d'une impuissance sexuelle récente. En adressant ce symptôme à son analyste, il l'accuse en retour d'impuissance thérapeutique à son endroit. Pratiquement, cet obsessionnel est impuissant avec sa maîtresse. Pour y remédier, il construit un scénario orchestré par un trait voyeuriste. Lacan le décrit. S'avisant d'user de ses trouvailles sur la fonction du tiers en puissance dans le couple, il propose à sa maîtresse de coucher avec un autre homme pour voir. La nuit, qui suit cette proposition, avec appel au phallus non défaillant d'un autre comme substitut du père, la maîtresse fait un rêve. Au réveil, elle lui rapporte. Lacan précise le rêve. Elle a un phallus, elle en sent la forme sous son vêtement, ce qui ne l'empêche pas d'avoir aussi un vagin, ni surtout de désirer que ce phallus y vienne. L'effet est immédiat. À l'écoute du rêve, l'obsessionnel retrouve sa puissance sexuelle et sur le champ, le prouve virilement à sa maîtresse. Le rêve de la dame a donc un effet interprétatif pour le patient. Le symptôme est interprété et, à ce titre, disparaît. L'obsessionnel en question n'est plus impuissant. Comment l'expliquer ? Quelle logique à l'œuvre ? Quel ressort clinique ? Il est à remarquer d'abord que la dame ne rêve pas la réalisation de ce que son amant lui a demandé la veille au soir. Pas de tiers dans son scénario qui lui démontrerait sa puissance sexuelle. Ensuite, la dame s'y présente comme castrée. Elle a un vagin et désire ardemment que le phallus y vienne. La maîtresse est manquante et c'est ce manque qui conditionne son désir et la fait rêver. Lacan précise, outre ce que la femme a rêvé, il y a qu'elle lui en parle. Si dans ce discours elle se présente comme ayant un phallus, est-ce là tout ce par quoi lui est rendu sa valeur érotique ? La réponse, et le point est déterminant, est négative. D'avoir un phallus, dit Lacan, en effet, ne suffit pas à lui restituer une position d'objet cause du désir. Ce que dénoue ce rêve, c'est la position d'identification de cet obsessionnel au phallus. Car, pour notre patient, ce phallus, rien ne sert de l'avoir, puisque son désir est de l'être. Et le désir de la femme, ici, le cède au sien, en lui montrant ce qu'elle n'a pas. Lacan ajoute, voilà ce que lui dit sa maîtresse. Que dans son rêve, ce phallus de l'avoir, ne l'en laissait pas moins le désir. C'est le manque à être de l'homme autour de Bonneteau qui est touché. Le manque retrouve ses droits, donc aussitôt le désir qui en est l'effet. En s'identifiant au signifiant du désir de l'ordre grand taille de l'amour, l'obsessionnel se fige en la rigidité du cadavre. Il est statufié, mort d'une certaine façon. Ce texte de Lacan précise la modalité d'identification dont le résultat est
un sujet désormais cadavérisé. Elle équivaut à un être, le phallus. Il n'est plus le signifiant qui glisse, passe, transmet. Il est gélifié dans l'imaginaire. C'est le phallus ligoté dans la cage narcissique qui fait buter. C'est le phallus antifié, bloqué dans sa circulation. Par l'imaginarisation du phallus auquel il se confond, l'obsessionnel nie, récuse, annule la dette symbolique qu'inscrit le phallus symbolique, justement, qui, tel un oiseau céleste, ne peut être attrapé. Car ce qui se transmet dans l'ordre symbolique, c'est le phallus. Le rêve interprétation de la maîtresse, en touchant le manque à être du patient, réintroduit le phallus dans sa valence de signifiant du désir. Voilà pour Lacan, en 1958, comment une analyse peut se conclure. Elle implique un changement quant à la position face au phallus. La non-circulation du phallus est l'un des noms de la névrose. Il le dit explicitement, ce phallus dont le recevoir et le donner sont, pour le névrosé, également impossibles. Autrement dit, le névrosé homme ou femme ne peut donner ou recevoir le phallus parce que dans les deux cas, son désir est ailleurs, c'est de l'être. S'il l'est, l'échange est interrompu, le lieu symbolique de la dette est obturé et le phallus imaginaire, moins petit-fille, prend la place du phallus symbolique grand-fille. C'est à ce titre que l'obsessionnel nie le désir de l'autre grand A, puisque le phallus symbolique est la marque de ce manque dans l'autre grand A qui le rend désirant. La découverte où doit mener une analyse à sa fin est la suivante. Citons Lacan. Il faut que l'homme, mâle ou femelle, accepte de l'avoir et de ne pas l'avoir, à partir de la découverte qu'il ne l'est pas. Le sujet obsessionnel cessera d'obéir à un maître imaginarisé comme increvable pour s'abriter du surgissement du désir de l'autre grand A, donc tout aussi bien du sien. Chapitre 6. L'objet petit A. Le concept d'objet petit a ne se trouve pas chez Freud. C'est une invention de Lacan datée du début des années 1960 dont il dira qu'elle constitue son apport propre à la théorie analytique. Elle n'est pas sans lien avec une découverte de l'inventeur de la psychanalyse. Cet objet A, dit Lacan, c'est ce roc dont parle Freud, qui en délimitera les contours sans jamais pouvoir l'isoler. Freud s'arrête devant l'objet petit a, pas Lacan, qui en fait rien de moins la cause du désir. Il distinguera cliniquement quatre objets petit a, le sein, les excréments, objet freudien par excellence, pris dans la demande. Il y ajoute le regard et la voix, articulés, eux, au désir. En 1969, il fera même de l'analyste celui qui, citons Lacan, se fait la cause du désir de l'analysant. Rien ne peut être saisi de la relation d'objet si justement cette thèse n'est pas affirmée. La voici telle que Lacan la présente en 1962 dans son séminaire « L'angoisse ». Dans l'intentionnalité du désir, cet objet est à concevoir comme la cause du désir, l'objet est derrière le désir. L'objet, ainsi entendu, prend le statut de résidu, de perte irréductible. Il est ce qui reste de l'autre grand A après la tentative du sujet d'y trouver sa détermination signifiante. Le petit a devient preuve et seule garantie
de l'altérité de l'autre grand A. Lacan n'aura de cesse d'affiner ce concept jusqu'à la fin de son enseignement. Isolons deux moments de son élaboration, l'année 1964, séminaire 11, et les années 1968-1970, séminaire 16 et 17. Deux statuts de l'objet petit a s'en déduiront. D'une part, sa face vide, et d'autre part, sa face pleine. Le vide s'opposant au plat. Premièrement, l'objet topologique. Dans le séminaire 11, l'objet petit a est l'objet pulsionnel, au sens que Freud lui donne en 1915 dans sa célèbre théorie Pulsion et destin des pulsions. Par la pulsion, le petit a prend un statut d'objet topologique qui n'aura de consistance que logique. L'objet est un fragment de la chose d'Hasding. La logique signifiante impose sa structure à la découpe de la chose. Petit a relève à la fois de la substance de jouissance et de la matière signifiante, commente Jacques-Alain Miller dans son cours de 1999. La substance de jouissance étant à rapporter, précisons-le, à la chose, à Dasding, et la matière signifiante à l'opération de découpe. Lacan nous rappelle les termes de Freud dans sa métapsychologie. Pour ce qui est de l'objet dans la pulsion, qu'on sache bien qu'il n'a à proprement parler aucune importance. Il est totalement indifférent. C'est l'objet concret qui est indifférent, substituable à tel ou tel autre. La raison en est de structure. L'objet de la pulsion, l'objet proprement dit de la pulsion, est absent, perdu, laissant une place vide que la multitude des objets concrets, constitutifs du monde du sujet, pourront venir de façon toujours substitutive occuper. L'objet de la pulsion, précise Lacan, comment faut-il le concevoir pour qu'on puisse dire que dans la pulsion, quelle qu'elle soit, il est indifférent. Pour la pulsion orale, par exemple, il est évident qu'il ne s'agit pas de nourriture, ni de souvenir de nourriture, ni d'écho de nourriture, ni de soin de la mère, mais de quelque chose qui s'appelle le sein. Si Freud nous fait cette remarque que l'objet dans la pulsion n'a aucune importance, c'est probablement que le sein est tout entier à réviser quant à sa fonction d'objet. C'est au titre de perdu radicalement qu'il entre en fonction ouvrant le champ de sa recherche, soit la répétition. Sa construction explique qu'il n'est pas spéculaire et donc n'a pas d'image au miroir. Dans « Encore », son séminaire 20, Lacan ajoute « Il s'agit de répéter jusqu'à plus soif pourquoi ça rate. Ça rate, c'est objectif. C'est même tellement frappant que c'est objectif que c'est là-dessus qu'il faut centrer dans le discours analytique ce qu'il en est de l'objet. » Le ratage, c'est l'objet. L'objet, c'est un raté. L'essence de l'objet, c'est le ratage. Phrase connue, toujours essentielle à rappeler. L'objet pulsionnel petit a n'est donc pas un objet dans le monde des objets. Il est manque structural, place vide, en creux, constitué, creusé par la pulsion en son trajet en boucle. La meilleure formule nous semble être celle-ci, dit Lacan. Que la pulsion fait le tour de l'objet. Tour
et tant à prendre ici avec l'ambiguïté que lui donne la langue. À la fois turn, borne autour de quoi on tourne, et trick, tour d'escamotage. De même, l'objet A n'est pas créé par la pulsion, comme cela se dit parfois, et toujours à tort. La pulsion en fait le tour et l'escamote. Il est ce rien que l'anorexique dévore, jusque parfois à en mourir. C'est parce que la pulsion capture l'objet, comme reste de ce que l'être perd à parler, qu'elle peut représenter la sexualité dans le savoir inconscient. Elle ne peut représenter le sexuel que sous une forme partielle, ce partiel inscrit dans l'autre grand A par ses objets petit A, toujours couleur de vide, vacuole, face creuse. Deuxièmement, le plus de jouir. Ce terme, plus de jouir, que Lacan construit sur le modèle de la plus-value de Karl Marx, désigne la face corporelle de l'objet petit A. C'est la face pleine de l'objet, alors que l'objet topologique en est sa face vide. Un exemple clinique illustre l'objet petit a comme refuge et condensateur de jouissance. Un exemple clinique, un parmi d'autres. Dans son séminaire « D'un autre grand A à l'autre petit a », tenu en 1968-1969, Lacan s'intéresse à la perversion et en fournit une théorie nouvelle. Voici sa thèse. Le pervers se fait objet petit a, il s'y identifie pour restituer à l'autre grand A cet objet dont il aurait été décomplété par l'opération signifiante. Le pervers interroge ce qui manque à l'autre grand A afin aussitôt d'y parer, de le supplémenter. Lacan note: j'avance tout à trac que la fonction du pervers, celle qu'il remplit, est loin d'être fondée sur quelque mépris de l'autre petit a, du partenaire. Cette fonction est à jauger d'une façon autrement riche. J'articulerai que le pervers est celui qui se consacre à boucher le trou dans l'autre grand A. Je dirai qu'il est, jusqu'à un certain point, du côté de ce que l'autre grand A existe. C'est un défenseur de la foi. Dans ce cas, l'objet est devenu complément et doit être isolé, épuré, mais aussi utilisé, manipulé. Ce petit a prend dans la perversion une fonction particulière. Il devient ce qui aurait été perdu par l'autre grand a, le vidant par là même, de par cette perte, de sa jouissance. Si l'autre est terrain nettoyé de la jouissance par le signifiant, alors ce qui échappe dans l'autre, toujours grand A, à la prise signifiante, est condensateur de jouissance. Il est reste, enclave, excès de jouissance capturé. Il est ce qui n'a pu de la jouissance viré à la comptabilité symbolique. Et il est la preuve de l'échec du symbolique à tout symboliser de la vie psychique. Le pervers sait cela avec une acuité sans pareil. Il sait, dit Lacan, que la jouissance n'a pas seulement été jouissance aliénée. Il reste quelque part une chance qu'il y ait quelque chose qui en est réchappé. Voilà pour son savoir. Mais ce n'est pas tout. Ce savoir ouvre à un savoir-faire. Lacan le décrit. Ce reste qui s'appelle l'objet petit a, c'est là
que se réfugie la jouissance qui ne tombe pas sous le coup du principe de plaisir. Le savoir-faire est devenu un savoir-y-faire avec l'objet petit a. La thèse est affirmée. En se faisant objet petit a, le pervers tente de boucher, de masquer, de combler ce trou dans l'autre, grand A, barré. Ce que je définis, dit-il, comme la perversion, c'est la restauration, en quelque sorte première, la restitution du petit A au champ du grand A. Rendre petit A à celui de qui il provient, le grand autre, et l'essence de la perversion. Aussi, Lacan définira-t-il le jeu du pervers en une trouvaille, quant à la formule, comme un certain jeu du petit a. Quoi qu'il en soit, identifié à petit a, le pervers s'évertue, en termes de jouissance donc, à combler ce trou qui fait l'autre toujours castré et asexué. C'est en cela que Lacan fera du pervers un homme de foi, voire un croisé, celui, dit-il, qui donne à Dieu sa plénitude véritable, en ceci que Dieu serait la forme absolue de l'autre sans faille, du savoir qui ne souffrirait d'aucun manque, le sujet supposé savoir en acte. C'est la tentative de restituer la jouissance au corps vivant. Telle est donc la face pleine, lichette de jouissance, comme dit Lacan, de l'objet. Chapitre 7. Le fantasme. En 1919, Freud publie « Un enfant est battu », contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles. Dans son article, il décompose grammaticalement ce fantasme de fustigation apparu dans la cure en trois scansions qui nomment autant de positions subjectives spécifiques. Cliniquement, une différence se marque entre le fantasme et le symptôme. Et à propos de ce dernier, que l'on pense à la conversion somatique hystérique, ou aux doutes et ruminations obsessionnelles. Le symptôme est ce dont le sujet se plaint avec facilité. Le fantasme, en revanche, est ce dont l'aveu peut torturer. Dans un cas, les jeux signifiants abondent, dans l'autre, plutôt le silence. Freud écrivait « L'aveu de ce fantasme en l'occurrence un enfant est battu, n'est consenti qu'avec hésitation. Le souvenir de sa première apparition est incertain. Une résistance sans équivoque s'oppose au traitement analytique de cet objet. Honte et sentiment de culpabilité s'émeuvent à cette occasion, peut-être avec plus de force que lors de communications semblables portant sur les premiers souvenirs de la vie sexuelle. Le fantasme apparaît, lorsqu'il est avoué, comme point de fixité silencieuse dans la cure. Les mots s'arrêtent, des affects surgissent, honte, culpabilité. Et l'on sait la présence de cette fixité silencieuse et de la honte et de la culpabilité lorsqu'enfin il est avoué à l'analyste. Lacan part de l'affirmation freudienne en faisant passer au second plan le scénario imaginaire du fantasme pour en décliner la logique inconsciente. C'est dans son séminaire 14, non encore publié, « La logique du fantasme » tenu en 1966-1967, qu'il poussera le plus loin cette exigence de décomposition logico-grammaticale du fantasme. Ce dernier
loin d'être une rêverie imaginaire, voire doucereuse, est un axiome, c'est son mot, formellement réduit à une phrase, sur le modèle d'un enfant ébattu. Cet axiome noue deux incommensurables, les signifiants, grâce auxquels le névrosé agence sa réalité, et des bouts de réel, ce réel auquel il n'a accès justement que par son fantasme. Le fantasme se présente comme constant. C'est un clavier logique, écrit Lacan, qui désigne la place du réel. Sa formule s'écrit S barré, point son, petit a. Le sujet divisé, S barré, est joint et disjoint par le point son à l'objet petit a comme résidu irréductible de l'autre grand a. Une conséquence clinique s'en déduit, que livre Lacan. Car il se voit, aux mises en acte du névrosé, que le fantasme, il ne l'approche qu'à la lorgnette. Tout occupé qu'il est à sustenter le désir de l'autre grand a en le tenant de diverses façons en haleine. Le psychanalyste pourrait ne pas se faire son servant. Si le névrosé, comme vient de le préciser Lacan, n'approche le fantasme qu'à la lorgnette, alors qu'il peut se complaire dans les jeux signifiants qu'il rumine, c'est que de ce réel engagé, il ne veut rien savoir. Il le refoule, faire drangung, comme disait Freud. Pour éviter ce réel qui l'agite, il choisit par contre d'interroger le désir de l'autre grand A, son « Que vois-tu ? Que veux-tu ?» et veille à le tenir en haleine afin de retarder d'autant la rencontre avec la cause de son propre désir à lui. Couardise, ponctue Lacan. Cette stratégie fait les beaux jours notamment de la rencontre amoureuse. Mais la citation dit plus en dégageant une orientation précieuse pour la cure. Le psychanalyste doit savoir ne pas se faire le servant, c'est le mot utilisé par Lacan, mot déjà cité, de cette position du névrosé. Comment ? L'interprétation est convoquée. L'analyste, parce qu'il sait que le fantasme n'est pas sans réel, se doit d'en dégager la constante au-delà des variables symboliques et imaginaires. Quel est ce réel ? Spécifié que le névrosé veut ignorer et qui, comme fixité silencieuse, conditionne qu'il le veuille ou pas ses mises en acte. Quelle jouissance est engagée dans cette fiction que Lacan écrit F-I-X-I-O-N, cette fiction axiomatique qui est son fantasme. En 1962, Lacan publie un article Kant avec Sade, qui fait du fantasme sadien que les écrits du marquis déplient une question posée à chacun. Lacan précise, c'est qu'un fantasme est un effet bien dérangeant, puisqu'on ne sait où le ranger, de ce qu'il soit là, entier dans sa nature de fantasme qui n'a de réalité que de discours, et n'attend rien de vos pouvoirs, mais qui vous demande, lui, de vous mettre en règle avec vos désirs. Le fantasme, en effet, est le soutien du désir. Sans lui, le désir ne se maintiendrait pas et disparaîtrait comme la flamme d'une allumette. L'objet A est la cause du désir, mais le fantasme en est le soutien. Lacan le dit explicitement en 1964, dans son séminaire 11. Dans le fantasme, le sujet est fréquemment inaperçu, mais il y est toujours, que ce soit dans le rêve, dans la rêverie, dans n'importe quelle des formes plus ou moins développées.
Le sujet se situe lui-même comme déterminé par le fantasme. Le fantasme est le soutien du désir, ce n'est pas l'objet qui est le soutien du désir. Le sujet se soutient comme sujet par rapport à un ensemble signifiant toujours beaucoup plus complexe. En suivant la richesse de cette remarque, une clinique différentielle est désormais possible. Le fantasme ainsi défini est, dans la névrose, toujours pervers, c'est la thèse freudienne du reste, puisqu'il élève un objet quelconque à la dignité de la cause du désir, petit a. Et, dans la perversion, il prend une valence déterminante axée sur la jouissance. Grâce à son fantasme, le névrosé rêve d'être pervers, c'est-à-dire dégagé de la loi du père, père avec un P majuscule, et le pervers, lui, citons Lacan, fait des raies du fantasme l'appareil de conduction par où il dérobe en circuit une jouissance dont le lieu de l'autre grand A ne le sépare pas moins. Dans la perversion, le fantasme s'écrit petit a poinçon s barré, soit dans le sens rétrograde de sa formule chez le névrosé, que nous avons déjà donné, s barré poinçon petit a. Or, petit a poinçon s barré, le fantasme dans la perversion, satisfait à l'ordre du fantasme en tant qu'il supporte l'utopie du désir, remarque Lacan. De cette formule, il appert que le pervers, d'une part, tente de se faire équivaloir à l'objet. Ce dernier descend de son inaccessibilité et se dévoile comme être là, Dasein, du sujet. L'agent du dispositif, le tourmenteur chez Sade, se fige dans la rigidité de l'objet. Cette identification à l'objet n'apparaît que sur une scène. Celle couvre et décore le fantasme. Sur la scène imaginaire, le pervers est actif. Oh combien ! Par contre, dans la structure inconsciente, il est objet figé, réifié. L'agent dans le dispositif visible est objet dans la structure. L'agencement imaginaire et l'agencement inconscient ne se superposent pas. Lacan le martèle. Là où vous dites « je, j-e », c'est là, à proprement parler, que au niveau de l'inconscient, se situe petit a. Cette identification à l'objet petit a explique à partir du séminaire « L'angoisse », la référence clinique sera le masochisme, et non plus comme avant, le fétichisme. Se reconnaître, dit Lacan, comme objet de désir, c'est toujours masochiste. Le masochiste réalise au plus juste cette identification au petit a. Lacan ajoute, le masochiste lui-même apparaît dans la fonction que j'appellerai celle du DG, c'est notre objet petit a, mais dans l'apparence du déjeté, du jeté au chien, aux ordures, à la poubelle, au rebut de l'objet commun. D'autre part, le pervers place du côté de l'autre grand A, c'est-à-dire le partenaire, le sujet divisé, s-barré, refendu par sa cause silencieuse petit a. Dans le rituel pervers, le partenaire tend à être réduit à une chose, res, comme dit le latin, que l'on manipule, place et agite comme une marionnette, sans, semble-t-il, se préoccuper de son assentiment. Structurellement, c'est différent. C'est la division du sujet, la victime du tourment chez Sade, qu'il vise. Ainsi, Lacan fait remarquer que le désir sadique
n'est articulable qu'à partir de la schisme, la dissociation qu'il vise à introduire chez le sujet, le petit autre, en lui imposant jusqu'à une certaine limite, ce qui ne saurait être toléré, à la limite exacte où apparaît chez ce sujet une division, une béance entre son existence de sujet et ce qu'il subit, ce dont il peut pâtir dans son corps. Cette division est recherchée de manière appuyée, systématique, calculée, non parfois sans talent et sans invention. Le pervers s'applique à l'obtenir incontournable. Lacan parlera de division soutenue du sujet qu'ordonne l'expérience et ajoutera que le point d'aphanisis supposé en grand S barré doit être dans l'imagination indéfiniment reculé. Lacan nous met en garde, ne rêvons pas à l'idée que le pervers réussirait là où le névrosé échoue. Lacan l'a dit, quoi qu'il en soit, le pervers est séparé de la jouissance par l'autre grand A. Il croit qu'il va l'atteindre, il met tout en place pour y parvenir, il tend à le faire croire aux autres, mais il rate. Et il n'y a, dans l'enseignement de Lacan, aucune fascination pour la perversion, ses rituels, qu'ils soient terribles ou fleurs bleues. Dans la névrose, donc, comme dans la perversion, le fantasme est une réponse. Il fait réponse en la recouvrant à la faille de l'autre grand tabaret. C'est en cela que le fantasme assure un ancrage libidinal au sujet. Chapitre 8. L'angoisse. Dans son séminaire consacré à l'angoisse, en 1962-1963, Lacan donne à l'objet petit a une place singulière en ceci qu'il écrit le pas sans objet qui la spécifie comme affect. Alors que les affects, la colère, l'émotion, l'émoi, l'embarras, etc., dont il s'agit cliniquement de donner les coordonnées subjectives, sont toujours trompeurs, l'angoisse, elle, justement, de par son couplage à l'objet petit a, ne trompe pas. Elle est hors du doute. C'est-à-dire que l'affect d'angoisse confronte le sujet à une coupure qui surgit hors signifiant. Lisons Lacan. La manifestation la plus éclatante de cet objet petit a, le signal de son intervention, c'est l'angoisse. Ce n'est pas cet objet qui ne serait que l'envers de l'angoisse, mais il n'intervient, il ne fonctionne qu'en corrélation avec l'angoisse. L'angoisse est la traduction subjective la plus vive, la plus nette de la rencontre avec petit a. À ce titre, l'affect d'angoisse emporte un point de certitude qui ouvre à l'acte. Arraché à l'angoisse qui paralyse son point de certitude qu'elle inclut, dira Lacan, est une tâche pour le névrosé. C'est peut-être à l'angoisse que l'action emprunte sa certitude. Agir, c'est Lacan qui parle, c'est arracher à l'angoisse sa certitude. Agir, c'est opérer un transfert d'angoisse. Le doute, que l'on pense aux ruminations et autres procrastinations mentales de l'obsessionnel, est défense contre l'angoisse. Lacan le note, le doute, ce qu'il dépense d'efforts, n'est fait que pour combattre l'angoisse et justement par des leurres. C'est qu'il s'agit d'éviter ce qui, dans l'angoisse, se tient d'affreuses certitudes. L'angoisse, donc,
isole la fonction de la cause, ouvrant à l'acte. Dans un texte plus ancien, ce nouage avait déjà été établi par Lacan en pure logique. Dans « Le temps logique est l'assertion de certitude anticipée, un nouveau sophisme », écrit en 1945, il est question de la forme ontologique de l'angoisse. L'angoisse apparaît au moment de conclure, soit au moment de l'acte. Selon le traitement dont elle est l'objet, l'acte aura lieu ou n'aura pas lieu. L'angoisse est inséparable de la tension temporelle qui donne sa valeur au sophisme. On sait ce moment bascule, tel est le scénario livré dans l'article, où le prisonnier doit conclure qu'il est blanc, c'est-à-dire qu'il est un homme. Citons. C'est donc le moment de conclure qu'il est blanc. S'il se laisse en effet devancer dans cette conclusion par ses semblables, il ne pourra plus reconnaître s'il n'est pas un noir. Passer le temps pour comprendre le moment de conclure, c'est le moment de conclure, le temps pour comprendre. Formulations difficiles peut-être, mais qui sont ô combien justes pour comprendre ce que la clinique livre. Ce moment que Lacan isole en termes logiques fait surgir le sujet assertif qui conclut sur lui-même. C'est l'assertion sur soi, dit Lacan, par où le sujet conclut le mouvement logique dans la décision d'un jugement. En ce point, se loge la hâte où culmine la tension temporelle grâce à laquelle la certitude s'anticipe. Il faut insister, sans l'angoisse, le procès logique ne pourrait ni s'enclencher, ni trouver son issue avec son affirmation du « je, je », théâtralisé dans le dispositif sous la forme d'un prisonnier qui pourrait enfin sortir de prison s'il jouait un jeu logique, savoir quelle est la couleur dont il est affublé dans son dos, noir ou blanc. C'est donc parce que le prisonnier tire de l'angoisse une certitude que le raisonnement ne s'éternise pas dans le temps pour comprendre, qui est virtuellement sans fin, et débouche sur la hâte de conclure. Enfin, un savoir qui produit ses conséquences. Lacan ne dit pas autre chose. La conjonction ici manifestée se noue en une motivation de la conclusion pour qu'il n'y ait pas de retard qui engendre l'erreur ou semble affleurer la forme ontologique de l'angoisse, curieusement reflétée dans l'expression grammaticale équivalente « de peur que le retard n'engendre l'erreur ». À la fin de cet article logique, où les personnages qui y sont présentés ne relèvent d'aucune pathologie et même n'ont pas de « moi », se retrouve la même formulation. « Je m'affirme être un homme de peur d'être convaincu par les hommes de n'être pas un homme. » L'angoisse trouve une fonction nouvelle. À en extraire sa certitude, incarnée par la fonction du petit « a » qui ne trompe pas, l'angoisse sort le sujet de la barbarie assimilatrice. Et l'année de rédaction de ce texte, 1945, fait résonner d'autant plus la barbarie au sortir de la guerre et de la présence de la barbarie nazie. Loin de la référence à la dépression où s'écrase toute une pensée psychiatrique et clinique qui a renoncé à ses tâches historiques, le concept d'angoisse trouve une place clé que cet article de 1945 a isolé inauguralement dans sa dimension logique comme moteur du sophisme, mais un sophisme qui éclaire ô combien la clinique la plus quotidienne de l'acte et du rejet de l'acte.
Dans le séminaire, donc, l'angoisse, Lacan, là, dans une visée clinique, prend notamment pour exemple le masochiste et le sadique. Qui découvre-t-il en référence à l'affect d'angoisse et à l'objet petit a tel qu'il se rencontre dans le rituel mis en scène? L'angoisse est un véritable made-in de la perversion, comme le démontre la fable sadienne. Le dispositif pervers, on en a parlé précédemment, dans lequel le sujet s'identifie à l'objet et vise la division du ou de la partenaire, ce qui s'écrit petit a poinçon s barré, explique comment l'angoisse ne peut qu'apparaître chez le ou la partenaire pris dans le dispositif. Elle est inhérente à la perversion. En tant que signal du réel, elle est preuve incarnée que cette refente est obtenue. La position du masochiste de se faire l'objet de la jouissance de l'autre grand A est un masque qui laisse impénétrer ceci et que Lacan décrit ainsi. Ce qui est cherché, c'est chez l'autre grand A la réponse à cette chute essentielle du sujet dans sa misère dernière. Et cette réponse est l'angoisse. Cette angoisse qui est la visée aveugle du masochiste, car son fantasme la lui masque, n'en est pas moins réellement ce que nous pourrions appeler l'angoisse de Dieu. L'angoisse de Dieu, qu'est-ce à dire? Comment? Lacan précise, en se faisant l'âme de Dieu, en se sacrifiant pour le Père avec un P majuscule, le Christ, dit-il, a poussé les choses jusqu'au dernier terme d'une angoisse. Et l'âme elle-même est désormais à situer au niveau du petit tas de résidus, d'objets chus. Voilà un étonnant dialogue entre la théologie et la psychanalyse. Est-ce la théologie éclairée par la psychanalyse? Laissons la question ouverte. La position du sadique semble plus simple. L'angoisse de la victime est exigée. Lacan ne se contente pas de cette réponse, somme toute, banale. Qu'est-ce que le sadique cherche dans l'autre, se demande-t-il. Il est bien clair que pour lui, l'autre grand A existe. L'autre grand A est absolument essentiel. La référence à l'autre grand A comme tel fait partie de sa visée. Un exemple tiré des 120 journées et de Juliette, les fameux écrits du marquis, permettent de répondre. Les personnages entrent dans une véritable transe lorsque, après s'être acharnés sur la victime, ils crient « j'ai eu ». Et c'est vraiment le cri du tourmenteur « j'ai eu la peau du C-O-N ». Lacan commente cette annotation. Ce n'est pas là un trait qui va de soi dans le sillon de l'imaginable. Son caractère privilégié, le moment d'enthousiasme qui le connote, son statut de trophée suprême, brandi au sommet du chapitre, est suffisamment indicatif de ceci, que c'est en quelque sorte l'envers du sujet qui est cherché, ce qui prend sa signification de ce trait de gant retourné que souligne l'essence féminine. Il s'agit du passage à l'extérieur de ce qui est le plus caché. Dans ces deux cas, masochisme et sadisme, se dénude cliniquement ce lien entre angoisse et objet petit a. La fonction de ce dernier est d'être le reste du sujet, reste comme réel, martèle Lacan. Que l'angoisse soit alors au rendez-vous de la visée perverse est une conséquence directe de cette définition du statut réel de ces objets. La souffrance, exercée sur le partenaire ou reçue dans le corps propre vivant, n'est pas ce qui est prioritairement cherché.
contrairement à ce que l'on croit, contrairement à ce que l'on écrit. Elle occupe le scénario imaginaire au détriment de l'angoisse qui est le vrai but du pervers. Le libertin sadien, comme tout pervers, est dupé par son fantasme. On trouve toujours dans le séminaire L'angoisse un bel exemple où le désir vire à l'angoisse via l'objet regard. Lacan dégage cette fonction active de la tâche, saisie comme marque sur le corps. Il écrit « Grains et tissus de beauté montrent la place du petit a, ici réduit à ce point zéro. Plus que la forme qui l'entache, c'est le grain de beauté qui me regarde. » Aussitôt, le désir entre en jeu, et Lacan le précise. C'est parce que ça me regarde qu'il m'attire si paradoxalement, quelquefois à plus juste titre que le regard de ma partenaire, car ce regard me reflète, et il n'est que mon reflet, buée imaginaire. Lacan citera aussi ce qui surgit à la fin du film La Dolce Vita, du grand Federico Fellini. Soit, comme dit Lacan, l'œil inerte de la chose marine que les pêcheurs sont en train de faire émerger. C'est le moment où le désir, là où se clôt le film, vire à l'angoisse. Voilà ce par quoi nous sommes le plus regardés et qui montre comment l'angoisse émerge dans la vision au lieu du désir que commente petit a. Ainsi conclut Lacan. Chapitre 9. Le réel. Une psychanalyse a son début et sa fin. Oui, sa fin. Malgré certains qui voudraient croire qu'une cure est sans fin, indéfinie. Pour Lacan, cette entrée suppose que les coordonnées de la sortie soient dégagées. Il le dit dans sa proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école. Le début et la fin de la psychanalyse sont les plus exemplaires pour sa structure. Début et fin, entrée et sortie, créent une tension temporelle où se loge anticipation et après-coup. Voici les mots de Lacan. On oublie en effet sa raison d'être prégnante, l'analyse didactique, qui est de constituer la psychanalyse comme expérience originale, de la pousser au point qui en figure la finitude pour en permettre l'après-coup, effet de temps, qui lui est radical. En quoi, c'est la question désormais à poser, en quoi la chose digne sexuelle se trouve-t-elle engagée dès l'entrée? Quelle place occupe-t-elle dans le discours analytique jusqu'à la conclusion d'une cure? Cette question, aux enjeux cliniques évidents, nécessite un repérage dans l'enseignement de Lacan. Il faut isoler une scansion. Deux réponses sont à isoler. La vérité est dévalorisée et le savoir promu. Il y a virage de l'inconscient vérité à l'inconscient savoir. Précisons cette scansion nécessaire à isoler pour qui veut lire sérieusement Lacan. Premièrement, l'enseignement lacanien jusque dans ces années 1967 faisait de la vérité le nom et noème de ce que rencontre le sujet comme incontournable, à savoir, pour le dire en termes freudiens, l'horrible de la castration. Le sujet s'en détourne. S'il est névrosé, il la refoule, Verdrängung, s'il est psychotique, la forclos, Verwerfung, et s'il est pervers, il la dément, Verleugnung. Trois modalités de dire non à la castration
qui ouvre à la construction des fameuses structures cliniques freudiennes que Lacan reprend et dont il s'affranchira ensuite dans son enseignement. L'heure de vérité est le moment de cette rencontre. Le chapitre « Tuquet et automaton » du séminaire 11 de 1964 peut être lu dans ces termes. La tuquet, qui est un mot grec, est la rencontre de ce réel. Le réel, dit-il, est cela qui gît toujours derrière l'automaton et dont il est si évident dans toute la recherche de Freud que c'est là ce qui est son souci. La forme clinique de la tuquet est le traumatisme sexuel où se dénude l'incompatibilité du sexuel et du signifiant. La fonction, c'est Lacan qui parle de la tuquet, du réel comme rencontre, c'est d'abord présenté dans l'histoire de la psychanalyse sous une forme qui à elle seule suffit déjà à éveiller notre attention, celle du traumatisme. Lacan ajoute, c'est là le réel qui commande plus que tout autre nos activités, et c'est là la psychanalyse qui nous le désigne. Une telle clinique est orientée par le symbolique. Le réel n'est pas nié, loin de là. Il a sa place déterminée à partir du symbolique, du laisser parler la vérité. Il est l'inassimilable, comme dit Lacan, du symbolique. C'est un réel inassimilable. N'est-il pas remarquable, c'est Lacan qui parle, que, à l'origine de l'expérience analytique, le réel se soit présenté sous la forme de ce qu'il y a en lui d'inassimilable, sous la forme du trauma déterminant toute sa suite. En lisant ces lignes, un schéma simple est produit. La psyché comme système signifiant de type homéostatique, c'est l'automaton, le réel au dehors que le sujet rencontre, tuqué, comme inassimilable, le signifiant à vocation à tamponner cet inassimilable. Mais le réel a toujours le dernier mot, c'est le dernier mot de la vérité du sujet, celle qui énonce motus face à l'horrible de la castration de l'autre grand A. Le symbolique s'avère impuissant à faire virer tout le réel sexuel traumatique à la comptabilité signifiant. Autrement dit, la vie n'est pas un songe. Ce grand séminaire de 1964 est une valorisation logique de la vérité, à la différence par exemple de l'article « La chose freudienne » écrit par Lacan en 1955, qui, elle, la chose freudienne, est une valorisation poétique de la vérité. Même le fameux « vivre la pulsion » qu'introduit Lacan le 24 juin 1964 pour dire la fin d'une psychanalyse est pensé comme expérience du sujet face à la réalité sexuelle de l'inconscient, la pulsion. La fin de la cure est l'assomption de la castration de l'autre grand A que la pulsion présentifie. À ce moment de son enseignement, est promue une clinique orientée par l'autre grand A préalable aux aléas duquel la relation sexuelle est livrée. Mais ce n'est pas le tout de Lacan, d'où le terme de scansion que nous avons utilisé. Deuxièmement, avec l'article de 1967, une autre clinique se dégage orientée par le réel. Radiophonie en 1970, l'étourdi en 1972, le séminaire 20 encore en 1972-1973, etc., la déplieront dans ses conséquences. Le terme qui revient dans la proposition est non plus celui de vérité, mais de savoir. C'est le terme que Lacan utilise pour penser le commencement de la psychanalyse, le transfert.
On trouve en effet le savoir, le mot de savoir, dans le syntagme sujet, supposé, savoir, dont Lacan écrit « il est pour nous le pivot d'où s'articule tout ce qu'il en est du transfert ». Cette référence au savoir positionne différemment le sexuel. L'étourdi livre des formules clés, certes difficiles, pour saisir le nouvel enjeu. La vérité est révoquée comme une, avec un U majuscule. On ne peut se dire, ce, C-E, le traduire en termes de vérité, puisque de vérité il n'y a que midi. Et le savoir extrait du discours psychanalytique relève de l'écrit. Je rappelle, c'est Lacan qui parle, que c'est de la logique que ce discours touche au réel, à le rencontrer comme impossible, en quoi c'est ce discours qu'il apporte à sa puissance dernière, science, ai-je dit, du réel. Le réel se rencontre sous la forme de ce qui se démontre. C'est la possibilité de la démonstration qui fait le partage entre les dits, D-I-T-S, et le dire, D-I-R-E. Les dits s'énoncent dans le iketnin, qu'ils relèvent du registre de la parole, sont soumis aux critères de la vérité. Le dire, lui, ne peut être dit. Aucune parole dans ces dits ne peut en produire l'exhaustion, il existe au dit. Le dire est mis en position de cause des dits. Il a, à ce titre, une valence de réel. C'est ainsi, écrit Lacan, que le dit ne va pas sans le dire. Mais si le dit se pose toujours en vérité, le dire ne s'y couple que dit exister, soit de n'être pas de la dimension de la vérité. Les dits cernent le dire comme réel, c'est-à-dire l'impossible. Ces formules logiques sont peut-être difficiles à entendre, mais elles produisent un bouger conceptuel qui a de nombreuses conséquences cliniques. Quel est en effet le nom de ce dire dans le discours analytique et plus seulement dans la logique des propositions ou des affirmations? C'est le dire sexuel, soit une dimension réelle dans la sexualité. Voilà le pas de Lacan. Voilà le mouvement épistémologique qu'il produit. Voilà ce qu'il introduit de nouveau dans la clinique. En 1964, la sexualité est prise dans les défilés du signifiant. La libido, dit-il, est l'élément essentiel du processus primaire. Les défilés du signifiant la découpent suivant une structure pulsative. Par contre, en 1972, le dire du sexe ne s'atteint que par la démonstration dont l'écrit est le support. Il n'y a plus pour Lacan de réalité prédiscursive. Dans Encore, il dira, affirmation cruciale, chaque réalité se fonde et se définit d'un discours. Ce qui s'obtient par la démonstration est l'impossible à écrire qui s'énonce, formule souvent répétée, parfois jusqu'à plus soif, il n'y a pas de rapport sexuel. Lacan de préciser. Ceci suppose que de rapport, il n'y a qu'énoncé et que le réel ne s'en assure qu'à se confirmer de la limite qui se démontre des suites logiques de l'énoncé. C'est impossible et ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Les dits de castration en 1960 sont impuissants à tout significantiser du réel sexuel. En 1970, il cerne le dire comme impossible et le sexuel comme rapport ne peut être écrit. C'est un réel interne à la logique.
les preuves pour le sujet. Dans la cure elle-même, n'est plus la même. Lacan insiste moins sur la rencontre de la castration que sur l'épreuve d'une descente logique où le réel se démontre comme certain, non pas une démonstration universelle valable pour tous, mais une démonstration qui devient efficiente pour chacun. Citons. L'état présent des discours qui s'alimentent donc de ces êtres se situe de ce fait d'inexistence, de cet impossible, non pas à dire, mais qui, serré de tous les dits, s'en démontre pour le réel. Le réel que livre le « il n'y a pas de rapport sexuel » procède des impasses logicielles. D'où une nouvelle définition du sexe. L'absent désigne le sexe. Et absent doit s'écrire A-B-S-E-N-S. En 1964, résumons, le sexuel est traumatique. En 1970, c'est la langue qui est traumatique, en ceci qu'elle est la modalité où se particularise le discours chez l'être parlant. Et c'est elle qui affecte désormais le corps. C'est elle qui fait trauma. Pourquoi dans ce chapitre insister sur ce passage de l'inconscient vérité à l'inconscient savoir? Pour saisir que la perspective a changé. Par exemple, le terme de sujet, si souvent employé dans ce texte même, est congruent avec la doctrine des années 1960. Le sujet est l'effet des jeux J-E-U-X signifiant. Il trouve sa détermination au lieu de l'autre grand A et se fige sous l'insignifiant. Le sujet, c'est une conséquence de l'opération symbolique et vidée de jouissance. Dans les années 1970, le concept introduit par Lacan est celui de parlettre, P-A-R-L, E accent circonflexe, T-R-E, parlettre. C'est-à-dire que sont saisies les conséquences sur l'être vivant d'habiter le langage. Le parlettre est lesté d'un poids de réel, poids de vivant, poids de jouissance. Une clinique orientée par le réel nécessite de repérer le changement de perspective que ces années 1970 introduisent. Les chapitres qui suivent sont repérables avec cette question. Chapitre 10. Les jouissances. Le concept de jouissance, absent chez Freud, qui parle de libido, de lust, etc., est une invention spécifique de Jacques Lacan. À partir des années 1960, ce concept prendra une importance clé jusqu'à devenir, dans les années 1970-1980, une balise indispensable pour penser toute la clinique. Le principe de plaisir freudien est constance et vise l'homéostase. La jouissance, elle, est excès qui dérange cet équilibre. C'est toujours ainsi qu'elle se manifeste. Elle réveille et ne relève pas de l'agréable. Mais pourquoi ce pluriel du titre? Les jouissances. Parce qu'il n'y en a pas une, mais plusieurs. Les expressions de Lacan sont multiples. Jouissance pulsionnelle, jouissance phallique, jouissance de l'être, jouissance de l'autre grand A, jouissance de la parole, jouissance mystique, jouissance féminine, jouissance une avec un U majuscule, etc. La jouissance se décline à l'imaginaire, au symbolique, au réel. Dans son cours de
1999, l'expérience du réel dans la cure analytique, Jacques-Alain Miller distinguera six paradigmes utilisés par Lacan au cours de son enseignement pour définir la jouissance. Pour une vue d'ensemble, le lecteur s'y reportera avec intérêt. Nous poserons ici deux questions seulement, limitées. Pourquoi corps et jouissance sont-ils disjoints? Pourquoi la jouissance de l'autre grand A est-elle marquée du sceau de l'impossible? La jouissance phallique. Pourquoi y a-t-il incompatibilité entre la jouissance et le corps? La raison tient à la structure de l'autre grand A en tant que trésor des signifiants. Le signifiant d'un manque dans l'autre grand A, introduit par Lacan dès 1960, pose que tout ne peut pas se dire. Un trou demeure dans la chaîne signifiante. La question de la jouissance dite sexuelle se loge en ce point. Rien dans l'autre grand A symbolique quant à la jouissance sexuelle ne répond à ces deux signifiants, homme et femme, sinon ce symbole sans père qu'est le phallus. Dans le savoir inconscient, homme et femme n'ont pas de rapport deux à deux. La jouissance de lui ne rencontre pas la jouissance d'elle. Ils sont noués, mais par ce tiers du signifiant phallique. À ce titre, la jouissance sexuelle relève d'une logique du 1, U majuscule phallique, et n'unit pas l'homme à sa partenaire. Au contraire, le phallus fait objection au rapport entre eux. La jouissance sexuelle est phallique, c'est-à-dire dans la stricte dépendance de la logique du signifiant, c'est la jouissance du 1, U majuscule. Parce que phallique, cette jouissance ne se rapporte pas au corps de la femme, en tant qu'il aurait consistance sexuelle réelle. Elle est, dit Lacan, l'obstacle par quoi l'homme n'arrive pas à jouir du corps de la femme, précisément parce que ce dont il jouit, c'est de la jouissance de l'organe. Certes, de l'organe porté à la puissance du signifiant, le phallus. Le rapport sexuel, ce qui pourrait s'écrire petit x grand R, petit y homme x rapport grand R femme petit y ne peut être réalisé. Citons des phrases connues de Lacan. Ce qu'on appelle la jouissance sexuelle est marqué, dominé par l'impossibilité d'établir comme tel, nulle part dans l'énonçable, ce seul un, U majuscule, qui nous intéresse, l'un U majuscule de la relation rapport sexuel. Lacan insiste dans la dernière partie de son enseignement sur l'impossibilité logique du rapport sexuel. Mais pourquoi? Dans le rapport sexuel, une dissymétrie s'instaure. La femme s'y positionne comme mère et non comme femme, et l'homme s'y retrouve en position de castré en référence au phallus et non en tant qu'homme au sens strict. Cette jouissance ne peut être dite sexuelle qu'au titre d'un reste. Elle est ce qui reste du sexuel après que le sujet en est passé par l'autre grand A symbolique, là où la différence sexuelle en matière de jouissance fait, comme cela a été dit, défaut. Si au sens strict, la jouissance sexuelle n'est pas, puisqu'elle se dénude comme uniquement phallique, alors se saisit que pour un sujet, lorsqu'il y a inscription du nom du père, corps et jouissance s'appareillent, mais ne s'appareillent précisément que par le fil du signifiant du phallus, sans pour autant faire rapport. C'est en cela que la fonction phallique supplée au rapport sexuel comme impossible, pour utiliser
Une phrase de Lacan. Le phallus est le signifiant qui nomme le point où le signifiant manque. Il supplée au point où, dans l'autre grand A, disparaît la signifiance sexuelle qui écrirait une différence de jouissance entre hommes et femmes et permettrait leur rapport, leur articulation, leur rencontre, enfin définitive. L'interdiction posée sur la jouissance rend possible le désir. Le phallus écrit cette place de la loi, avec un L majuscule, pour quiconque, est sujet. Ce sacrifice, quant à l'être sexué, a nom, pour utiliser un terme déjà précédemment cité, castration. Le phallus ne représente pas le sujet, mais la jouissance en tant que hors système symbolique. Le sujet parlant et désespérément manque à jouir, et le phallus désigne ce qui est forclos de cette jouissance sexuelle, ce qui est définitivement non symbolisable. Lacan, en 1960, ponctue « Ce à quoi il faut se tenir, c'est que la jouissance est interdite à qui parle comme tel. » La jouissance de l'autre grand A. Ce manque réel dans l'autre symbolique amène à la question de ce hors-langage du sexe corporel de la femme. Avec le non-rapport, Lacan quitte le structuralisme auquel il est systématiquement associé par une pensée scolaire. La structure est un ensemble hiérarchisé de rapports. Le non-rapport objecte donc à la structure. Jacques-Alain Miller, commentateur, avisé ô combien, de Lacan précise. Ce qui distingue ce paradigme et par un mouvement inverse, c'est de prendre son départ du fait de la jouissance. Le point de départ de cette perspective n'est pas le « il n'y a pas de rapport sexuel », mais au contraire un « il y a ». Il y a la jouissance. Ce trou conduit à poser l'autre grand A dans sa face réelle, corporelle et sexuée, et non plus symbolique. L'apport de Lacan consiste à faire de ce trou réel l'autre grand A sexe. Citons-le, l'autre grand A dans mon langage, cela ne peut donc être que l'autre grand A sexe, le sexe en tant qu'absolu, autre du signifiant. C'est l'autre grand A qui s'incarnerait comme vivant sexué. Jacques-Alain Miller décrit l'opération suivante. Il y a jouissance en tant que propriété d'un corps vivant, c'est-à-dire d'une définition qui rapporte la jouissance uniquement au corps vivant. Il n'y a de psychanalyse que d'un corps vivant, et sans doute, et qui parle. La conséquence en est que la jouissance se passe de l'autre grand A et qu'elle est une U majuscule. Une question s'en déduit, cruciale pour l'analyse et pour la vie des hommes et des femmes. Comment un homme peut-il jouir du corps d'une femme en tant qu'incarnation de l'autre grand A sexe? Lacan fait référence à la démonstration sadienne et à ce qu'elle prouve. Écoutons-le. Comme le souligne admirablement cette sorte de qu'ancien qu'était Sade, on ne peut jouir que d'une partie du corps de l'autre grand A, pour la simple raison qu'on n'a jamais vu un corps s'enrouler complètement, jusqu'à l'inclure et le phagocyter autour du corps de l'autre grand A. C'est pour ça qu'on en est réduit simplement à une petite étreinte, comme ça, à prendre un avant-bras ou n'importe quoi d'autre. Oui, la rencontre des corps ne se fait pas sur le mode
de l'amibe qui phagocyte sa proie et l'incorpore. Jouir du corps de l'hôte Granta ne serait possible qu'à le réduire à l'un, U majuscule, les deux corps ne feraient plus qu'un. Le statut de l'hôte Granta s'est donc modifié et le repérer à son importance pour saisir les moments de l'enseignement de Lacan et les conséquences différentes qui s'en déduisent quant à la clinique. Au temps du non-rapport et de la jouissance qu'il y a, l'hôte Granta ne tient plus. Citons Lacan, j'ai ajouté une dimension à ce lieu du Granta en montrant que comme lieu, il ne tient pas, qu'il y a une faille, un trou, une perte. Phrase déjà citée. C'est ce statut de l'autre Granta qui explique que la jouissance de l'autre Granta ne peut être affirmée ou rencontrée, sauf dans l'imaginaire. Lacan le martèle. Il est clair que s'il n'y a pas de jouissance de l'autre Granta comme telle, c'est-à-dire s'il n'y a pas de garant rencontrable dans la jouissance du corps de l'autre Granta, qui fasse que jouir de l'autre Granta comme telle, ça existe. La jouissance du sens, jouit-sens, comme parfois l'écrit Lacan, vient à la place de la jouissance qui conviendrait au rapport sexuel, soit la jouissance de l'autre Granta si elle existait. C'est-à-dire que pour l'être parlant, la jouissance ne peut lui être signifiée que phalliquement. Cela ne veut pas dire que l'être parlant ne se trouve pas affronté à d'autres jouissances. Mais pour les signifier, il ne lui reste plus que la jouissance phallique dans la dépendance du langage. La logique du non-rapport a changé l'approche de la jouissance de l'autre Granta, puisque la jouissance est désormais pour Lacan la jouissance du corps propre, la jouissance une avec un U majuscule qui est coupée de l'autre Granta. Chacal Miller commente ce point décisif. Il n'y a pas de rapport sexuel, veut dire que la jouissance relève comme telle du régime de l'un, U majuscule, qu'elle est jouissance une, U majuscule, tandis que la jouissance sexuelle, la jouissance du corps de l'autre Granta, sexe, a ce privilège d'être spécifiée par une impasse, c'est-à-dire par une disjonction et par un non-rapport. Isolons ces termes de la phrase de Jacques-Anna Miller, impasse, disjonction, non-rapport. Chapitre 11. Le concept de jouissance autre, Granta. Jouissance autre, Granta, la précision à son importance, que l'on trouve par exemple sous la plume de Lacan dans son séminaire Encore, leçon du 13 mars 1973. Lacan explicite « La femme, sa jouissance est radicalement autre, Granta ». Dans une lettre à son élève Karl Abraham datée de 1924, Freud écrit tout ce que nous savons du développement féminin précoce me semble insatisfaisant et incertain. En 1932, dans une conférence sur la féminité, il ajoute « De tout temps, les hommes se sont creusés la tête sur l'énigme de la féminité » et conclut ainsi « Si vous voulez en savoir plus sur la féminité, interrogez vos propres expériences de la vie ou adressez-vous aux poètes. Ou bien, attendez que la science puisse vous donner des renseignements plus approfondis et plus cohérents. » Pour Freud, donc, la féminité est une énigme et, ajoute-t-il, la vie sexuelle de la femme adulte est encore pour la psychologie un dark continent, un continent noir. Phrase de 1926. En 1960, dans son article « Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine », Lacan rappelle l'enjeu dégagé par Freud
et la médiocrité des avancées des post-freudiens. Comment oublier qu'Ernest Jones, un autre élève proche de Freud, voyait dans la rencontre d'un homme et d'une femme celle du fil et de l'aiguille, fixant les positions subjectives dans la réalité d'une anatomie déjà constituée. Justement, dans son article, Lacan interroge l'énigme de la sexualité féminine et non pas la position de la femme en général. Il y démontre en quoi l'inconscient, et notamment la phase phallique prise dans le complexe de castration, détermine la jouissance féminine puisque la physiologie, elle, comme il dit, donne sa langue au chat. Lacan refuse une approche complémentaire ou symétrique de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qui est autre grand A dans la rencontre des corps entre un homme et une femme, se demande-t-il. Voici sa réponse. La castration ne saurait être déduite du seul développement, puisqu'elle suppose la subjectivité de l'autre, grand A, en tant que lieu de sa loi. L'altérité du sexe se dénature de cette aliénation. L'homme sert ici de relais pour que la femme devienne cet autre grand A, pour elle-même, comme elle l'est pour lui. Phrase qui résonne toujours avec une acuité particulière pour qui s'intéresse à la clinique. Cette dimension autre d'une femme, pour elle-même et pour l'homme, évoquée en 1960, trouvera son plein développement, notamment en 1972, dans le séminaire Encore. Lacan y nomme la jouissance féminine en tant que jouissance du corps, la jouissance autre, grand A, comme nous l'avons déjà explicitement dit. Cette dernière, la jouissance autre, grand A, existe sur le mode de l'existence, elle siste, mais on ne sait ni où ni comment. Entre l'un U majuscule phallique et l'autre grand A de la féminité, il n'y a pas de continuité. Logiquement, cette jouissance haute, grand A, n'est pas une extension de la jouissance phallique. Elle est au contraire avec elle dans un rapport d'infinitude. Elle est, comme dit Lacan, au-delà du phallus et de la comptabilité que la logique phallique inscrit. Formulation inouïe et d'une richesse clinique qui refonde la psychanalyse. Elle se promeut, dit Lacan, à propos de cette jouissance autre, du paradoxe de Zénon, cher à l'Antiquité classique. Il écrit « Achille et la tortue », tel est le schème du jouir d'un côté de l'être sexué. Achille, c'est bien clair, ne peut que dépasser la tortue, il ne peut pas la rejoindre. Il ne la rejoint que dans l'infinitude. Cette jouissance autre, grand A, n'est pas complémentaire, mais supplémentaire au phallus. Elle a valeur d'excédent de jouissance. Elle est jouissance réelle, fondamentalement opaque. Et le mot est de Lacan, et donc fait recel par définition. Cette jouissance radicalement autre, grand A, telle est l'avancée d'encore, est corrélée logiquement à la place que le signifiant femme assigne au sujet qui se place dessous. Par là, dit Lacan, du neuf pourrait sortir à propos de la sexualité féminine, autre chose que des conneries, selon son mot plutôt sec, jouissance vaginale, spécificité du museau de l'utérus, etc. Bref, autre chose que des conneries pourraient être trouvées. Cette avancée, associer cette jouissance autre grand A aux femmes, aux sujets qui se placent sous le signifiant femme indépendamment de leur anatomie, est
déterminante. Le sigle Grantès de Grand Tabaret permet d'interroger la féminité. Sous le signifiant femme, le sujet qui s'y place se dédouble. Le sujet femme n'est pas toute soumise au symbolique, puisque cette jouissance autre lui est corrélée, et d'autre part, elle a un rapport, en tant que par l'être, au phallus symbolique grand-phi. La femme, comme sujet, n'étant pas toute prise dans la fonction phallique, se promeut de l'infinitude. Rapportée au dénombrable, elle ne peut faire ensemble au sens mathématique du terme. C'est pourquoi, pour Lacan, logiquement, ce grand tel A de la femme ne peut se dire. Ce qui s'écrit la barrée femme, l'ensemble qui subsumerait toutes les femmes, ne peut être construit. En quelque sorte, la barre sur le grand autre tombe sur le sujet qui se place sous le signifiant femme lorsque la question, l'enjeu, de la jouissance advient. Elle tombe sur le sujet, qu'il le veuille ou non. C'est un effet du langage lui-même. Lisons à ce propos Lacan et repérons chaque mot utilisé, car chaque mot a son poids. Il n'y a de femme qu'exclue par la nature des choses, qui est la nature des mots. Et il faut bien dire que s'il y a quelque chose dont elles-mêmes se plaignent assez pour l'instant, c'est bien de ça. C'est-à-dire que d'être dans le rapport sexuel par rapport à ce qui peut se dire de l'inconscient radicalement autre, grand A, la femme est ce qui a rapport à cet autre, grand A. La barre est femme a rapport avec la structure de cet autre grand A, en tant que comme autre grand A, il ne peut demeurer que toujours et définitivement autre grand A. Lacan résume sa thèse, et là aussi, chaque mot a son prix. Il n'y a pas d'autre grand A de l'autre grand A. L'autre grand A, ce lieu où vient s'inscrire tout ce qui peut s'articuler du signifiant, et dans son fondement radicalement autre grand A. C'est pour cela que ce signifiant, avec cette parenthèse ouverte, marque l'autre grand A comme barré, grand-thèse de grand A barré. Comment concevoir que l'autre grand A puisse être quelque part ce par rapport à quoi une moitié des êtres parlants se réfère? Cela ne peut se dire, rien ne peut se dire de la femme. La femme a rapport à ce grand S de grand tabaret, c'est en cela qu'elle n'est pas toute. Cette part autre est autre pour elle-même. C'est pour elle une énigme, puisque comme sujet pour cette jouissance autre, à elle aussi le mot manque. Lacan insiste, il n'y a nulle part de dernier mot si ce n'est au sens où mot, c'est motus. Lacan ajoute, il y a une jouissance à elle, à cette elle qui n'existe pas et ne signifie rien. Il y a une jouissance à elle dont peut-être elle-même ne sait rien, sinon qu'elle l'éprouve. Ça, elle le sait. Mais une question clinique se pose. N'y a-t-il pas des sujets qui disent éprouver cette jouissance autre? Grand A, par exemple, les mystiques, ne sont-ils pas là historiquement pour emporter le témoignage? En fait, ce n'est pas le plus souvent cette jouissance qu'ils éprouvent, mais, comme dit Lacan, l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà des mots. De même, l'éprouveraient-ils, où se retrouvent les mystiques absolus, que le défaut de signifiant pour dire l'expérience demeurerait? Comme mystique, Lacan cite entre autres sainte Thérèse d'Avila, mais aussi un homme, saint Jean de la Croix, qui s'est mis du côté du patou. Preuve, à nouveau,
de l'hétérogénéité, de l'anatomie et du signifiant. Il est clair, dit Lacan, que le témoignage essentiel des mystiques, c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent, mais qu'ils n'en savent rien. Ces jaculations mystiques, ce n'est ni du bavardage, ni du verbillage. C'est en somme ce que l'on peut lire de mieux. Je crois à la jouissance de la femme en tant qu'elle est en plus. Il y a donc, si l'on commente cette avancée de Lacan, il y a donc la jouissance phallique, en voilà une, et la jouissance en plus. Mais cela n'est pas une autre pour autant. Il n'y en a pas deux, mais dire une seule n'est pas vrai pour autant. À ce titre, le signifiant de l'autre grand apparaît est une absence. Si la jouissance haute granta n'a pas de signifiant, alors le sujet en est absent. Il peut l'éprouver, mais aucun savoir ne s'inscrit. Cette jouissance haute granta d'être hors langage ne peut assurer un complément à la jouissance phallique, inscrite, elle, dans la stricte dépendance du langage, et où opère la castration. Cette jouissance haute granta n'assure pas plus le rapport sexuel que la jouissance phallique, comme le chapitre précédent y avait insisté. Telle est la modalité du ratage du rapport sexuel du côté femme de la sexuation. De rapport sexuel, il n'y a pas, qu'il soit abordé du côté homme ou du côté femme. La jouissance est donc une U majuscule et se passe de l'autre grand A. Bref, la barre et femme sera pour Lacan l'un des noms de l'autre grand A comme lieu logiquement inconsistant. Elle dit, elle écrit, elle rappelle ce trou qui fait que l'autre grand A comme complet, plein, consistant, n'existe pas. Cette preuve est déterminante pour la clinique et c'est un pas accompli par Lacan que Freud avait soupçonné sans pouvoir le formuler en clinique et en doctrine. Annexe au chapitre 11. Jouissance autre grand A et mystique. Lecture d'une partie de la séance du 20 février 1973 de Jacques Lacan, tirée de son séminaire Encore. Moi, je n'emploie pas le mot mystique comme l'employait Peggy. La mystique, ce n'est pas tout ce qui n'est pas la politique. C'est quelque chose de sérieux, sur quoi nous renseignent quelques personnes et le plus souvent des femmes ou bien des gens doués comme Saint Jean de la Croix. Parce qu'on n'est pas forcé quand on est mal de se mettre du côté du pour tout X grand phi de X. On peut aussi se mettre du côté du pas tout. Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes, ça arrive, et qui du même coup s'en trouvent aussi bien. Malgré, je ne dis pas leur phallus, malgré ce qui les encombre à ce titre, ils entrevoient et ils éprouvent l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà. C'est ça, ce qu'on appelle des mystiques. C'est comme pour Sainte Thérèse. Vous n'avez qu'à aller regarder à Rome la statue du Bernin pour comprendre tout de suite qu'elle jouit. Ça ne fait pas de doute. Et de quoi jouit-elle? Il est clair que le témoignage essentiel des mystiques, c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent, mais qu'ils n'en savent rien. Sainte Thérèse d'Avila écrit son livre de la vie en 1561 et 1562. Dans le chapitre 29, Sainte Thérèse rapporte une expérience datée d'avril 1560.
Écoutons-la. Nul langage ne saurait représenter ni exprimer la manière dont Dieu fait de telles blessures, ni cet excès de douleur qui transporte l'âme blessée. Mais cette peine est si délicieuse qu'il n'y a point de plaisir dans la vie qui la dépasse. Je le répète, l'âme voudrait se sentir toujours mourante d'un tel mal. Cette peine unie à cette gloire me jetait dans un profond étonnement et je ne pouvais comprendre comment cela pouvait être. Quel spectacle qu'une âme ainsi blessée! Elle me comprend combien est excellente la source de cette blessure et elle voit clairement qu'un tel amour ne lui vient pas de ses efforts. C'est, lui semble-t-il, de l'amour excessif que le Seigneur lui porte qu'est tombée l'étincelle qui l'embrase tout entière. Oh, combien de fois, livré à ce suave tourment, me suis-je souvenu de ces paroles de David dans le psaume 42. Comme le cerf soupire après une source d'eau vive, ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu. Elles étaient, ce me semble, l'expression fidèle de ce que je sentais. Lorsque l'impétuosité de ces transports n'est pas si grande, il semble que la douleur de cette blessure diminue un peu par l'usage de quelques pénitences. Du moins l'âme, qui ne sait que faire à son mal, y cherche-t-elle par cette voie un allègement. Mais elle ne les sent pas, et faire couler le sang de ses membres lui est aussi indifférent que si son corps était privé de la vie. En vain, elle se fatigue à inventer de nouveaux moyens de souffrir quelque chose pour son Dieu. La première douleur est si grande qu'il n'y a point, selon moi, de tourment corporel qui puisse lui enlever le sentiment. Car le remède n'est point là, il serait trop bas pour un mal s'y relever. Une seule chose adoucit tant soit peu la souffrance de l'âme, c'est d'en demander à Dieu le remède. Mais elle n'en voit point d'autre que la mort, parce qu'elle seule peut la faire entrer dans la pleine jouissance de son souverain bien. D'autres fois, la douleur se fait sentir à un tel excès qu'on n'est plus capable ni de cette prière, ni de quoi que ce soit. Le corps en perd tout mouvement. On ne peut remuer ni les pieds ni les mains. Si l'on est debout, les genoux fléchissent, on tombe sur soi-même, et l'on peut à peine respirer. On laisse seulement échapper quelques soupirs très faibles parce que toute force extérieure manque, mais très vive par l'intensité de la douleur. Tandis que j'étais dans cet état, voici une vision dont le Seigneur daigna me favoriser à diverses reprises. J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous sa forme corporelle. Il est extrêmement rare que je les voie ainsi. Quoique j'aie très souvent le bonheur de jouir de la présence des anges, je ne les vois que par une vision intellectuelle, semblable à celle dont j'ai parlé précédemment. Dans celle-ci, le Seigneur voulut que l'ange se montrât sous cette forme. Il n'était point grand, mais petit et très beau. À son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits d'une très haute hiérarchie, qui semble n'être que flamme et amour. Il était apparemment de ceux qu'on nomme chérubins, car ils ne me disent pas leur nom, mais je vois bien que dans le ciel il y a une si grande différence de certains anges à d'autres et de ceux-ci à d'autres que je ne saurais le dire. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or et dont la pointe en fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laisser tout embrasé d'amour de Dieu. La douleur de cette blessure était si vive qu'elle m'arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l'heure, mais si excessive était la suavité que me causait cette extrême douleur que je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver de bonheur hors de Dieu. Ce n'est pas une souffrance corporelle, mais toute spirituelle, quoique le corps ne laisse pas d'y participer un peu,
et même à un haut degré. Il existe alors entre l'âme et Dieu un commerce d'amour ineffablement suave. Je supplie ce Dieu de bonté de le faire goûter à quiconque refuserait de croire à la vérité de mes paroles. Les jours où je me trouvais dans cet état, j'étais comme hors de moi. J'aurais voulu ne rien voir, ne point parler, mais m'absorber délicieusement dans ma peine que je considérais comme une gloire bien supérieure à toutes les gloires créées. Telle était la faveur que le divin maître m'accordait de temps en temps lorsqu'il lui plut de m'envoyer ses grands ravissements contre lesquels, même en présence d'autres personnes, toutes mes résistances étaient vaines. Ainsi, j'eus le regret de les voir bientôt connus du public. Depuis que j'ai ces ravissements, je sens moins cette peine qu'une autre dont j'ai parlé précédemment. Je ne me souviens plus en quel chapitre. Cette dernière est différente sous plusieurs rapports et d'une plus haute excellence. Quant à celle dont je parle maintenant, elle dure peu. À peine commence-t-elle à se faire sentir que notre Seigneur s'empare de mon âme et la met en extase. Elle entre si promptement dans la jouissance qu'elle n'a pas le temps de souffrir beaucoup. Béni soit à jamais celui qui comble de ses grâces une âme qui répond si mal à de si grands bienfaits. Chapitre 12. Le corps. On a souvent reproché à Lacan de n'accorder d'importance qu'au jeu signifiant et de délaisser la dimension économique, comme disait Freud, de la vie psychique. Les affects, le corps, seraient les oubliés de la théorisation lacanienne, taxée par conséquent d'intellectualiste. En France, le psychanalyste André Green a porté notamment cette critique. Cette dernière n'est possible qu'au prix d'une méconnaissance de l'apport lacanien. Loin d'être absent, corps et affect ne cessent d'être interrogés. Suivant les moments de son enseignement, Lacan déclinera le corps comme imaginaire, symbolique ou enfin vivant, c'est-à-dire jouissant. Dans tous les cas, le corps pour la psychanalyse n'est pas l'organisme dont médecine et biologie s'occupent. Le corps sera ce lieu où l'objet petit a et la jouissance trouveront leur unique terrain de jeu. Sans lui, ni l'objet a, ni la jouissance ne peuvent entrer en action. Le premier, on l'a vu dans notre chapitre consacré au miroir, se construit comme reflet spéculaire auquel l'enfant s'identifie. Par là, le corps obtient une unité, certes illusoire, mais une identité néanmoins. Tel est le corps conjugué à l'imaginaire. Reste une question déterminante pour la clinique. Comment ce nous, corps vivant et jouissant, et ordre symbolique? Que produit cette rencontre? Seul le savoir signifiant peut faire le corps. Il le produit en transformant et donc en dérangeant le donné biologique de l'organisme vivant. C'est le signifiant qui affecte de jouissance le corps. Jacques-Alain Miller appelle cette opération la corporisation. Or, la corporisation, écrit-il, est au contraire le signifiant saisi comme affectant le corps de l'être parlant. Et le signifiant devenant corps, morcelant la jouissance du corps et en en faisant saillir le plus de jouir, découpant le corps, mais jusqu'à en faire sourdre la jouissance, le plus de jouir qui y est virtuel. Il ajoute, Lacan appelle affect l'effet corporel du signifiant, c'est-à-dire non pas son effet sémantique, qui est le signifié, non pas son effet de sujet supposé, c'est-à-dire non pas tous les effets de vérité du signifiant, mais ses effets de jouissance. C'est ce qu'il rassemble sous le terme d'affect comme tel, dérangeant les fonctions du corps vivant. Il faut saisir
dans la corporisation, le savoir passe dans le corps. Il est savoir incorporé. Le préfixe « in » signifie l'inclusion. Le résultat est l'émergence de la substance du corps qui se définit seulement de ce qui se joue. Propriété du corps vivant sans doute, mais nous ne savons pas ce que c'est d'être vivant, sinon seulement ceci qu'un corps cela se jouit. Comme le martèle Lacan dans des phrases connues dans son séminaire encore. Cette jouissance, associée à l'être comme vivant, ne serait plus dans la dépendance de la fonction de la parole, comme la jouissance phallique. Dans la première leçon du séminaire RSI, en décembre 1974, Lacan nomme cette jouissance « jouir de la vie », en précisant « le réel, c'est la vie que nous sommes amenés à y référer ». La vie est-on donc un des noms du trou du réel, de la substance jouissante. Le symbolique, lui, mortifie, tue, et l'imaginaire assure l'illusion où l'un, U majuscule, s'assure de l'autre petit a, son alter ego narcissique. Mais, point décisif, c'est le signifiant qui aussi fait le corps mortifié, c'est-à-dire vidé de jouissance. C'est au titre de désert de jouissance, place nette, rond brûlé, pour reprendre des termes de Lacan, qu'il advient comme lieu de l'autre grand A et que cet autre grand A est fondamentalement asexué. Le signifiant produit l'extraction, l'évacuation, l'expropriation de la jouissance du corps. Le corps devient l'autre grand A, décomplété de sa jouissance, cette jouissance supposée à partir de l'insatisfaction quant à l'être portée par la jouissance phallique. Jacques-Alain Miller nomme cette autre opération « signifiantisation ». Le paradigme du devenir signifiant du corps nous est donné par Lacan dans sa construction du phallus. C'est spécialement à propos de cette partie du corps qu'il nous dessine ce qui est resté pour nous un repère, le passage signifiant. En effet, le pénis comme organe est élevé à la dignité d'un symbole, le phallus. La structure du passage au signifiant est conçue comme une élévation. C'est pourquoi Lacan dira du signifiant qu'il est incorporel. Le préfixe « in » indiquant ici la négation. Le signifiant est dans un rapport négatif avec le corps. Il y a un savoir incorporel qui est le savoir formel de l'autre grand A. Pour la psychanalyse, le corps ne préexiste donc pas au signifiant. Le corps n'est ni les chairs ni les organes qui font l'organisme physiologique. Le corps, c'est le corps même du symbolique. Il prend voix de l'inconscient et de lui seul. L'effet de cette incorporation signifiante mortifie l'organisme et ses chairs. Par quoi s'avère que du corps il est second, qu'il soit mort ou vif, comme le prouve la sépulture, précise Lacan. Bref, contrairement à l'évidence, le corps est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Pour Lacan, il résume dans la phrase qui suit sa position, la fonction du corps, c'est le lieu de l'autre grand A. Où nous avons pour la première fois appuyé que ce lieu de l'autre grand A n'est pas à prendre ailleurs que dans le corps, qu'il n'est pas intersubjectivité mais cicatrice sur le corps tégumentaire, pédoncule à se brancher sur ses orifices pour y faire office de prise, artifices ancestraux et techniques qui le rongent. C'est ce corps-là, ainsi que Lacan vient de le décrire, pris dans le jeu signifiant, que le clinicien rencontre. Par exemple, dans le symptôme hystérique, inscrivant sur le corps son anatomie, selon les trajets d'une autre anatomie, alors purement fictionnelle, inscrit une parole empêchée, refoulée. Et c'est d'avoir incorporé le symbolique
que cet organisme vivant devenu corps prend une réalité, imaginaire donc, une réalité illusoire. La phrase souvent citée de Lacan dans L'envers de la psychanalyse en 1970, « Qu'est-ce qui a un corps et qui n'existe pas ?» Réponse, le grand Todd conjoint justement ces deux opérations de la signifiantisation et de la corporisation. Jacques-Alain Miller la commente ainsi. Au moment où Lacan doute de la consistance purement logique de la fonction du grand Todd, c'est là aussi bien qu'il introduit de biais qu'il faut corporéiser le grand Todd, que le corps du partenaire, et même du partenaire parlant, est inéliminable. En 1967, dans son séminaire « La logique du fantasme », Lacan déplie une thèse qui court jusqu'à la fin de son enseignement. Il n'y a, disait-il, de jouissance que du corps. Comment l'entendre? La jouissance est ce quelque chose dans quoi marque ses traits et ses limites le principe du plaisir. C'est quelque chose de substantiel qui est important à produire sous la forme que je vais articuler, c'est Lacan qui parle, au nom d'un nouveau principe. Il n'y a de jouissance que du corps. Je considère cette affirmation comme absolument essentielle. Elle me paraît d'une plus grande portée éthique que celle du matérialisme. Il précise, dire qu'il n'y a de jouissance que du corps, que ceci vous refuse les jouissances éternelles, c'est bien là ce qui est en jeu dans ce que j'ai appelé la valeur éthique du matérialisme, à savoir ce qui consiste à prendre ce qui se passe dans notre vie de tous les jours au sérieux. S'il y a question de jouissance, de la regarder en face et de ne pas la repousser dans des lendemains qui chantent, il n'y a de jouissance que du corps. Ceci répond à l'exigence de vérité qu'il y a dans le freudisme. Phrase forte de Lacan. Et c'est cette thèse que justement il dépliera dans ses extrêmes conséquences au cours des années 1970-1980. Citons-le. Il y a un corps qui parle. Il y a un corps qui jouit par différents moyens. Et Jacques-Alain Miller ajoute en commentant « Le lieu de la jouissance est toujours le même, le corps. Il peut jouir en se branlant ou simplement en parlant du fait qu'il parle. Ce corps n'est pas pour autant lié à l'autre grand tas. Il n'est attaché à sa jouissance propre, à sa jouissance une, U majuscule. C'est pourquoi, dans ses derniers séminaires, Lacan insistera moins sur le corps marqué par le signifiant, le corps mortifié, que sur le corps vivant comme condition de l'une, U majuscule, jouissance. Chapitre 13. Le nœud borroméen. À partir des années 1970, Lacan utilise un nœud singulier aux propriétés topologiques ayant pour lui une place déterminante pour la clinique. C'est le nœud borroméen. De quoi s'agit-il? Prenons trois ronds de ficelle distingués seulement par leur nom. I pour imaginaire, S pour symbolique et R pour réel. Et nouons-les de façon à ce que les nœuds soient libres deux à deux, mais qu'à trois, ils soient noués. Le nœud borroméen se différencie donc des cercles olympiques, noués deux à deux. Comment se réalise, voire se prouve, le caractère borroméen d'un nœud à trois ficelles? Par la coupure. À couper l'un des ronds de ficelle, les deux autres sont libres. Jean-Claude Milner, dans Les noms indistincts, en 1983, insiste sur la coupure qui est tout sauf anecdotique ou relative. Le borroméanisme du nœud n'existe que par cet instant du dénouage où, d'une coupure unique, les ronds se retrouvent dispersés. Qui ne voit que cette dispersion n'est rien d'autre que le réel en lui-même, tel que l'imaginaire s'épuise à le représenter. Car il faut tenir à la fois que rien
de grande thèse ni de grande tille ne donne accès à Grantaire, et que c'est même là l'essence du nœud, l'être parlant, est incessamment requis d'imaginer Grantaire. Le nœud peut être à 3 ficelles, c'est le minimum, à 4, et même, il est à n ficelles possibles. Que livre-t-il? Que Grantaire, Grantès et Granty sont disjoints. Toute vie psychique du sujet parlant s'affronte à cette disjonction, à ces catégories en vrac. Pour qu'elles tiennent, il faut un quatrième rond qui noue les trois autres borroméennes. Ce quatrième rond peut s'appeler réalité psychique, Œdipe, nom du père, ou saint homme. Mais chaque sujet trouve sa solution et peut assurer ce nouage par un bricolage qui lui est propre, singulier, unique. Pour Lacan, nous sommes des sujets bricolés. Uniquement bricolés. Dans la seconde leçon de RSI, Lacan écrit le minimum, comme il dit. Ce minimum est assez pour que vous y reconnaissiez le nœud borroméen. Il me semble que j'ai justifié en quoi le nœud borroméen peut s'écrire, puisque c'est une écriture qui supporte un réel. Autrement dit, le nœud n'est pas une métaphore, une image ou une représentation du réel. Le nœud est, E-S-T, le réel. Citons Lacan. Ceci désigne que non seulement le réel peut se supporter d'une écriture, mais je dirais plus, il n'y a pas d'autre idée sensible du réel que celle que donne l'écriture, le trait décrit. Le nœud. S'il n'est pas une représentation, une idée de la structure, effectivement n'a pas à être pensé, réfléchi, mais tout bonnement manipulé. Lacan l'explicite. Pour opérer avec ce nœud d'une façon qui convienne, il faut que vous vous fondiez sur un peu de bêtise. Le mieux est encore d'anuser bêtement, ce qui veut dire d'en être dupe. Il ne faut pas entrer à son sujet dans le doute obsessionnel ni trop chipoter. Manipuler le nœud, opérer avec lui, n'est pas en jouer mentalement ou triturer les ficelles qui peuvent concrètement le présentifier dans la réalité sensible. Manipuler le nœud se déduit de sa définition, une écriture qui supporte un réel. D'où cette question. Qu'est-ce que manipuler une écriture, un trait d'écrit? C'est comme pour l'écriture mathématique, faite de lettres ou de signes algorithmiques, en inventorier les propriétés et en déduire les conséquences logiques. La consistance du nœud est une consistance logique, nullement ontologique. Car si j'énonce, c'est Lacan qui parle, ce qui ne saurait se faire que du symbolique, que leur consistance à ces trois ronds ne se supporte que du réel, c'est bien que juste de l'écart de sens qui est permis entre Grantaire, Grantès, Granty, comme individualisant ces trois ronds, les spécifiant comme tels. La conséquence est que les trois ronds sont de pure consistance. À savoir que ce n'est que de tenir entre eux qu'ils consistent. Les trois tiennent entre eux réellement. Le nœud ne porte pas à la pensée où règne le sens et ses opérations, mais à ce qui en constitue l'expulsé, soit le réel. Le nœud est réel, le nœud est une écriture. Pour faire entendre à quoi sert le nœud borroméen, Lacan, toujours dans RSI, fait référence à un texte célèbre, Vénus physique. Pourquoi? Ce texte écrit en 1774 par Maubertuis, président de l'Académie des sciences de Berlin, est un classique de l'étude de la nature au siècle des Lumières. Qu'en dit Lacan? Il pointe d'abord que l'ouvrage de notre anatomiste est un témoignage du temps qu'ont mis ces bêtes parlantes que sont les hommes pour se rendre compte du spécifique de la reproduction sexuelle. Écoutons Maupertuis. Je tâcherai seulement de vous faire connaître l'origine de votre corps et les différents états par lesquels vous avez passé avant que d'être dans l'état où vous êtes. Lacan insiste sur l'angle d'attaque choisi par Maupertuis.
comment on comprend la reproduction des corps vivants. Pour qu'il ait introduit du terme de Vénus physique, c'est qu'il se plaît à ne faire état que de la reproduction sexuée. Autrement dit, l'anatomiste part du mâle et de la femelle, de l'homme et de la femme, pour déterminer comment, après le plaisir sexuel, c'est ainsi que Pertuis parle, d'une femme, une nouvelle créature en résulte. Lacan cite ensuite Maupertuis pour en faire une critique radicale. La Vénus physique signe l'échec de son auteur. Il est à mes yeux, dit Lacan, tout à fait clair que c'est de ne pas être simplement dupe, de ne pas s'en tenir à ce que son temps lui fournit comme matériel, à savoir déjà beaucoup, le repérage au microscope de ce que l'on appelle à l'époque les animalcules, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les œufs d'autre part, que Maupertuis de n'être pas dupe, pour tout dire, de ne pas être assez bête, ne sent pas le poil à proprement parler de découverte que constitue, pour ce qu'il en est d'une appréhension réelle de la distinction des sexes, ce qui lui est apporté. Maupertuis ne s'en tient pas à ce qu'il a sous la main. Voilà son erreur. Il se refuse à être dupe. S'il était plus dupe, ajoute Lacan, il errerait moins. Non pas certes que son erre soit sot, car il arrive à quelque chose qui est en quelque sorte la préfiguration de ce qui s'est, à un examen ultérieur et à de plus puissants microscopes, révélé comme constituant l'existence des gènes. Ne pas vouloir être dupe. L'anatomiste ne voit plus ce qu'il a sous la loupe du microscope. C'est être non dupe, ajoute Lacan, qu'il imagine fort mal. Il n'est pas dupe dans la mesure où il ne s'en tient pas strictement à ce qui lui est fourni. Il fait en somme des hypothèses. Une autre façon de procéder se dégage. L'hypothésis non fingere, la répudiation des hypothèses, me paraît être ce qui convient et ce que je désigne de ce conseil d'être assez bête pour ne pas se poser de questions. Voilà, à lire Lacan, ce que le nœud borroméen permet. Il ne s'agit pas de faire des hypothèses, il faut opérer avec, bêtement. C'est ce refus de la bêtise, ce refus de ne pas avoir voulu opérer avec le matériel fourni qui a fait échouer Maupertuis. Il n'a pu réellement saisir ce qui fait la distinction des sexes. Il a temps de conclure à propos du nœud. Être assez bête pour ne pas se poser de questions concernant l'usage de mon nœud, par exemple. Ce n'est pas certainement à l'aide de ce nœud qu'on peut aller plus loin que de là d'où il sort, à savoir l'expérience analytique. C'est de l'expérience analytique qu'il rend compte, et c'est en cela qu'est son prix. Bref. Le nœud ne permet aucun dépassement, il n'inaugure aucun au-delà. L'usage du nœud objecte à l'hypothèse, à l'idée, au chipotage obsessionnel. Le nœud met en acte, réalise la répudiation des hypothèses, l'hypothésis non fingere. Conclusion. Là, la langue. L'effet de poésie. En quoi la poésie intéresse-t-elle la psychanalyse? Serait-ce au nom de la psychanalyse appliquée, chère au discours universitaire, c'est-à-dire de ce frotti-frotta littéraire dont se dénote le psychanalyste en mal d'invention, comme l'écrit Lacan en 1971 dans son article « Litturater » ? Nullement. Lacan ne voit en elle que pédantisme, goujaterie ou sottise. Par contre, la thèse qu'il déploie tout au long de son enseignement est que la poésie intéresse la psychanalyse au titre de la cure elle-même. Déjà dans les psychoses, la poésie est déplacée des purs jeux formels où s'épuise la poétique vers les nouveaux effets subjectifs produits. Elle l'est, citons Lacan, création d'un sujet assumant un nouvel ordre de relations symboliques au monde. Par le signifiant, elle introduit le sujet qui en fait l'expérience à un autre monde que le nôtre. C'est pourquoi Jean de la Croix, Proust ou Nerval
son poète, et pas le délirant président Schreber, pourtant assurément écrivain, puisqu'il rédige ses mémoires. Le poète, par contre, est un visionnaire. Mais, à la fin de son enseignement, la poésie devient chez Lacan une référence déterminante pour la cure et sa terminaison. Dans son séminaire, Le moment de conclure, en 1977, il remarque que dire est autre chose que parler. L'analysant parle, il fait de la poésie. Il fait de la poésie quand il y arrive. C'est peu fréquent. L'enseignement de ces années-là ne limite pas la poésie à la seule position de l'analysant. L'analyste lui-même y est tenu, notamment dans l'interprétation. Écoutons Lacan. À l'aide de ce qu'on appelle l'écriture poétique, vous pouvez avoir la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique. Il dit cela dans son séminaire « L'insu que c'est de l'une bévue, c'est l'amour » en 1977. La coupure, la cassure qui font interprétation participent de l'écriture. C'est pour ça que je dis que ni dans ce que dit l'analysant, ni dans ce que dit l'analyste, il y a autre chose qu'écriture. Lacan ira jusqu'à poser que la pratique analytique, c'est aussi bien de la poésie. Cette définition extensive de la poésie va de pair avec un changement de concept, non plus le signifiant, mais l'écriture avec le réel qu'elle chiffre. Quand l'analysant parvient-il à la poésie? Quand l'analyste produit-il un effet de poésie? Quand la psychanalyse devient-elle poésie, soit écriture? Répondre à ces questions, c'est introduire un nouveau concept, la lettre, le littoral, qui n'est ni le signifiant ni l'objet, et en tirer quelques conséquences. Dans Litterateur, Lacan décrit ce moment où la lettre se construit. Citons-le. Est-il possible du littoral de constituer tel discours qui se caractérise de ne pas s'émettre du semblant? Là est la question qui ne se propose que de la littérature dite d'avant-garde, laquelle est elle-même faite de littoral, et donc ne se soutient pas du semblant, mais pour autant ne prouve rien que la cassure, que seul un discours peut produire avec effet de production. C'est lorsque les semblants ordonnés par les jeux signifiants se cassent, se brisent, que la lettre littorale émerge. Cet effet dans la littérature crée donc la poésie d'avant-garde. Cet effet dans la cure crée un analysant d'avant-garde, soit un analysant qui litturatérise et un analyste qui, comme le poète, réalise, citons Lacan, ce tour de force de faire qu'un sens soit absent. La langue en un seul mot. Je parle, je te parle, tu me parles, je parle pour dire, je te parle pour te dire, tu parles pour dire, tu me parles pour me dire. Tu dis quoi? Tu veux me dire quoi? Ces déclinaisons pourraient ad infinitum être dépliées. Elles font les beaux jours des paroles adressées, des incompréhensions, des mirages. Des mirages, des croyances, des ceci et des cela qui nourrissent notamment l'échange amoureux. À les multiplier, une dialectique s'engage avec son corollaire immédiat. La parole sert à la communication. J'ai quelque chose à dire à celui auquel je m'adresse et je le lui dis. Parfois je n'ose pas, j'hésite. Parfois je le lui hurle, je le contrains. Celui qui reçoit ma parole décrypte ce que je veux dire. Y arrive ou non, c'est secondaire. Il y a donc une volonté, une intention, une décision. Les mots changent selon les théories et les références livresques de communication. La parole, dans cette acception, est son moyen. Je communique avec ma parole. Elle est ustensile au service de la communication. Est-ce bien utile d'écrire cela, de l'affirmer ainsi? Il n'y a là qu'évidence et bon sens. C'est exact. Cela est connu, se dit, se répète. Alors pourquoi?
Cette thèse, la parole sert à la communication, sert la communication, est si vraie qu'elle en devient triviale et la redire est vain. C'est ainsi, à la transparence de cette dialectique intersubjective, la psychanalyse inscrit sa marque. Je ne sais pas ce que je dis. Et elle ajoute, et je ne sais pas à qui je le dis. Autrement dit, telle l'esclave analphabète de l'Antiquité qui portait sur son crâne rasé écrit le message qu'il ne pouvait ni voir ni lire, le sujet qui énonce est le jouet de ce message inconscient qu'il reçoit de l'autre grand tas. Lacan, dans les années 1950, lui donne sa définition. L'inconscient est le discours de l'autre grand tas, et à ce titre, doit être scrupuleusement décrypté. La thèse de la communication est maintenue, mais transformée. Je ne sais ce que je communique en disant « je te parle » et dans ce que je te dis, et dis ce que j'ignore que je suis en train de te dire et qui me vient de l'autre grand A qui n'est ni moi, ni toi, mais une autre grand A, saine, une autre saine. Et voilà qu'à la fin de son enseignement, années 1970-1980, Lacan scie la branche sur laquelle reposait son édifice. Une autre thèse s'y affirme. La parole n'est pas communication, mais jouissance. Il crée pour cela un concept nouveau, la langue en un seul mot. La langue et la parole avant son ordonnancement grammatical et lexicographique, précise Jacques-Alain Miller. Lacan le martèle dans son séminaire encore. La langue sert à toute autre chose qu'à la communication. Mais la langue sert-elle d'abord au dialogue? Comme je l'ai autrefois articulé, rien n'est moins sûr. Il y a donc la langue et le langage qui en dérive, qui est second, car il est une élucubration de savoir sur la langue. Le bouger conceptuel opéré par Lacan par rapport à ce qui précède dans son enseignement est décisif. Il y avait d'abord le signifiant et sa logique, puis, deuxième temps, la jouissance. Désormais, la jouissance est première et le langage et sa structure adviennent en second. Lacan transforme sa définition principe de l'inconscient. Citons-le, si l'on peut dire que l'inconscient est structuré comme un langage, c'est sans ceci que les effets de la langue, déjà là comme savoir, vont bien au-delà de tout ce que l'être qui parle est susceptible d'énoncer. La langue a donc des effets? Oui. Lesquels? Disons Lacan. L'inconscient est le témoignage d'un savoir en tant que pour une grande part, il échappe à l'être parlant. Cet être donne l'occasion de s'apercevoir jusqu'où vont les effets de la langue par ceci qu'il présente toutes sortes d'affects qui restent énigmatiques. Le sceptique de service pourrait toujours clamer « c'est donc la jouissance qui fait rapport, qui sert à communiquer, à permettre enfin la rencontre des corps. » Non, radicalement non. Pourquoi? Parce que cette jouissance de la langue est une jouissance une avec un U majuscule, c'est-à-dire qu'elle se passe de l'autre grand A. Elle est une U majuscule et n'a qu'un seul lieu, comme nous l'avons démontré précédemment, le corps propre. Voilà la chute de cet épilogue. La parole est un mode de satisfaction spécifique du corps parlant, l'expression est de Jacques-Alain Miller. Oui, le corps est en l'affaire, le corps propre vivant. Voilà ce que Lacan, à la fin de sa vie, par son enseignement, offre à ses élèves et à ses lecteurs attentifs. À chacun d'en tirer les conséquences qui s'imposent, toujours et encore, pour lui-même, les analysants qu'il reçoit et le monde qui est le sien. Pas sans réel.